nous nous humilions devant ta face, mon sauveur. Accorde-nous ta grâce. Béni, Seigneur, mon Père. Chacun de nous sera là. Oh, notre Dieu, nous aimons que nous sommes. Sans bien à nous, notre Dieu. Si c'est le que ta bonté, si c'est le que ta grâce, c'est juste. Béni, Seigneur, mon Père, caché. Béni, mon Père, vous aimez. Béni, mon Père, caché. Merci d'avoir gardé notre frère. Je partage, merci d'avoir ramené la maison. Et merci d'avoir mis sur le cœur. Seigneur, à vous la grâce. Jésus-Christ, mon Père. Sois encore plus encore, nous nous à toi la gloire. À toi la puissance, à toi l'honneur, à toi le comité, à toi notre cause. Béni Seigneur, mon Père, que tous les esprits qui n'est pas de toi soient réunis à la paix, et que les réponses de ton nom soient élevées, et que ceux de mon nom soient bénis. Bien béni, je te le fais, 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 je te le fais. Merci, mon Dieu. Amen. Le Seigneur te bénisse. Oh,
appelle parce que je vois qu'il y a des frères et sœurs qui prennent encore leur fardeau, que je pense que tout le monde arrive à voir quand même au travers de la projection. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse vraiment notre frère Ghislain qui nous a aidé vraiment à installer ce matériel. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous chantons le 253. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. 253. Les frères qui sont de l'autre côté, derrière la colonne, pardonnez-nous si vous n'arrivez pas à voir, mais prenez alors les fardeaux en ce moment-là. Que Dieu vous bénisse. 253. Papy Christophe, tu arrives à lire sur le tableau? Amen. Que Dieu te bénisse. 253. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Et si Dieu nous appelle, nous vivons avec toi. Jusqu'à la mort. Thank you.
Jésus visite encore, Jésus visite encore.
Jésus. J'irai me reposer auprès de mon sauveur. J'irai me reposer. Il est là-haut dans sa parole.
Jésus est là, la victoire est à nous. Jésus est là, les démons sont chassés. Jésus est là, il est vivant, il est présent, il est le roi. Jésus est là. Il est vivant, il est le roi, Jésus est là, Satan est vaincu, Jésus est là, les démons sont chassés, Jésus est là, il est vivant, il est présent, il est le roi, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, pour te parler. Il est vivant, Jésus est là, il est le chemin, il est vérité, il est la lumière, Jésus est là. Chante de tout mon cœur. Nous avons son pouvoir.
élevons ton nom, notre Dieu. Nous glorifions ton saint nom, ton Père, parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Ce matin, nous venons tels que nous sommes, parce que toi, tu as ta manière à toi de conduire et de faire les choses. Nous soumettons simplement à ta présence et nous nous soumettons simplement à ta conduite. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es celui qui nous a aimés. Tu es celui qui nous a choisis. Jésus-Christ, mon Sauveur, nous étions loin de toi. Nous étions perdus. Nous étions morts à cause de nos péchés, Seigneur Jésus. À cause de notre rébellion à ta parole, nous étions séparés de Dieu, en inimitié avec le Créateur. Mais lorsqu'il t'a plu, Seigneur Jésus, lorsqu'il t'a plu dans ta bonté, notre Dieu, de venir nous chercher, tu n'as pas regardé à nos péchés ni à nos iniquités, Seigneur, mais tu as regardé simplement à l'amour que tu avais pour nous, Seigneur. Merci pour ma sœur, merci pour mon frère, merci pour ta présence, oh Jésus. Seigneur, dans ta maison, tout s'écrit gloire. Dans ta présence éternelle, notre Dieu, rien ne résiste, ô notre Dieu. Même le cœur le plus insensible, Seigneur, est réellement touché, notre Dieu. Ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas te rendre un service selon notre manière de voir les choses. Seigneur, selon notre manière de concevoir les choses. Mais nous voulons être simplement conduits par ton Esprit Saint, notre Père. Merci pour ces moments que nous avons passés dans la louange, mon Sauveur. Voici le temps d'adoration, mon Sauveur. Nous voulons t'adorer avec nos lèvres, avec nos cœurs, avec nos mains, avec tout ce que nous sommes, Seigneur. Tu as dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus, au-dessus de tous les noms. Tu es Dieu. Tu demeures Dieu. Avant toi, il n'y en a jamais eu. Et après toi, il n'y en aura jamais, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta miséricorde. Viens, Seigneur, fais-nous du bien encore ce matin. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Que chacun de nous soit réellement conduit et visité par toi. Seigneur, je n'ai rien à te donner, si ce n'est que mon cœur, Seigneur. Je n'ai rien à t'offrir, ô Jésus, si ce n'est que ma vie. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Bénis-nous encore ce matin, ô Père, que nous puissions vraiment apprécier chaque moment que toi tu nous accordes. Seigneur, beaucoup sont morts ce matin. Beaucoup n'ont pas pu se réveiller, Seigneur. Beaucoup se sont réveillés malades dans des hôpitaux, Seigneur, dans des ambulances, mon Sauveur. Mais qu'avons-nous fait, ô notre Père, pour mériter une telle grâce, mon Sauveur, d'être dans la présence du Dieu Tout-Puissant, d'être dans la présence du Roi des Rois, d'être dans la présence de notre Père. Seigneur, tu es miséricordieux. Seigneur, tu es bon. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, merci pour ces moments. Combien nous aimons ta présence, notre Dieu. Combien nous aimons ta présence, notre Père. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté, à toi l'autorité, à toi tout ce que nous sommes. Merci Jésus. Merci Jésus. Rien que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Rien que toi, Jésus, rien que toi. Rien que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Rien que toi, Seigneur, rien que toi. Yeah.
plus ressemblable à toi. Jésus, le bon.
vraiment t'adorer, Seigneur Jésus. Seigneur, si nous sommes en vie ce matin, c'est parce que tu nous as visités. Si tu nous as donné ce souffle de vie, c'est pour que nous puissions réellement te glorifier. Tu es le Dieu véritable. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, Seigneur Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, nous élevons ton nom parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Seigneur, merci pour ces moments bénis que nous avons réellement en ta présence. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, je voudrais te louer, te glorifier, Seigneur, pour la vie que tu nous as conservée encore aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Si nous pouvons nous tenir dans ta présence éternelle, si nous pouvons réellement nous tenir dans ta maison, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est parce que toi, tu l'as voulu ainsi. Seigneur, tu changes le cours de l'histoire. Tu changes le cœur. Tu transformes des vies, Seigneur. Les hommes peuvent résister aux hommes, mais aucun homme ne peut résister à ta présence, mon Sauveur. Seigneur, aucun homme ne peut rentrer en contact avec toi et demeurer le même, Seigneur Jésus. Oh, nous pouvons lire ta parole et écouter les témoignages. Personne n'est resté le même lorsqu'il a été en contact avec le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je bénis ton nom parce que le Dieu que je sers est un Dieu vivant. Seigneur, merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Merci parce que nous pouvons encore chanter les cantiques de Sion aujourd'hui. Merci parce que nous pouvons encore venir nous asseoir en cet endroit et écouter ta parole, mon Sauveur. Seigneur Jésus, accorde-nous ta miséricorde. Si seulement nous pouvions voir et contempler, Seigneur, ta grandeur. Si seulement nous pouvions discerner ta présence, notre Père. Oh, nos vies seraient changées. Nos vies seraient transformées. Seigneur, donne-nous réellement l'obéissance et le respect dans les choses qui te concernent, Père. Bénis la chorale, mon Sauveur. Bénis, Seigneur, mes bien-aimés, ô Père. Accorde-leur la grâce, Seigneur, de réaliser réellement la grâce que nous avons, de réaliser la charge et réellement le rôle que nous avons à jouer dans cet endroit. Seigneur, merci parce que tu le fais réellement, mon Sauveur. Bénis, Seigneur, ma sœur. Bénis, mon frère, ce matin. Ô notre Père, comment pouvons-nous venir dans ta maison et ne pas te parler, Seigneur? Comment pouvons-nous venir dans ta maison et nous taire, Seigneur Jésus? Comment pouvons-nous venir dans ta maison et réellement observer, mon Sauveur? Comment pouvons-nous venir dans ta maison et jouer réellement aux observateurs? Seigneur, alors que tu nous as accordé un si grand salut, alors que tu nous as accordé une si grande grâce, mon Sauveur, un si grand privilège, ô Père, de nous tenir en cet endroit. Seigneur, que nos bouches puissent réellement proclamer tes louanges, que nos lèvres puissent chanter à l'honneur de ton saint nom. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je glorifie ton saint nom. Touche le cœur de mon frère. Touche le cœur de ma sœur. Que nous ne venons pas, Seigneur, jouer aux religieux en cet endroit, Seigneur. Mais que nous puissions vraiment, comme des fils bien-aimés, dans la maison de leur Père, que nous puissions te célébrer, Seigneur. Oh, reviens, Jésus. Reviens, Seigneur. Le temps n'est plus, Seigneur. Vois combien, Seigneur mon Dieu, le mal réellement augmente de plus en plus. Vois réellement comment les hommes deviennent de plus en plus arrogants. Regarde comment les hommes deviennent de plus en plus aussi orgueilleux, mon Sauveur. Toi seul, tu as choisi un peuple au travers de qui tu veux vraiment te manifester, Seigneur Jésus. Oh, certainement que la manifestation de l'épouse aura lieu. Seigneur, c'est maintenant même, ô Père, que tu nous donnes les arts de l'Esprit, Seigneur. Baptise du Saint-Esprit. Ouvre les yeux, Seigneur. Fais tomber les écailles de nos yeux, Père, que nous puissions voir et contempler ta grandeur et ta puissance. Tu es vivant, Seigneur. Sois béni. Sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, nous t'avons ainsi prié, Père. Le Seigneur soit réellement glorifié.
Je veux chanter un cantique pour la gloire de notre Dieu et pour ses bienfaits. Que Dieu vous bénisse, et notre sœur Bofio. Que le Seigneur vous bénisse. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Amen. Les enfants, venez chanter pour la gloire de Dieu.
Hiver, automne, printemps, montagne, ciel bleu et les mers, l'arc-en-ciel, l'ensoleillement et les arbres, Jésus créateur de tout. Matin, midi et la nuit, les voix, les rythmes et les mélodies, les gens, les lieux et toutes choses, Jésus créateur de tout. Le cœur c'est partout où je vais, je te vois là, dans la beauté de la nature, tu brilles tout autour. Car tu es tout et tout est en toi. Précieux Jésus, une merveilleuse merveille tu es. Ensuite, vers la fin, c'est « Tu es incroyable, cher Seigneur. Tu es tellement incroyable. Ton amour est incroyable. Ta grâce est incroyable. Ta gloire est incroyable. Ton pouvoir est incroyable. Tu as fait les cieux et la terre par les mots de ta bouche. Tu es incroyable. Personne n'est comme toi. Personne n'aime comme toi. Personne ne fait comme toi. Tu es si magnifique, cher Seigneur. Tu es tellement incroyable, cher Seigneur. Voilà. Amen. 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 Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons lire. Lisons dans le livre des psaumes au chapitre 121. Psaume chapitre 121.
Nous lisons la parole du Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Aide-moi un témoignage sur cette terre, imprime en moi ton image. Oh mon sauveur, je veux témoigner toute ma vie de la grandeur de ton nom. Seigneur, donne-moi de ton amour, cet amour pur et saint, pour que je puisse à mon tour aimer mon prochain, car ton amour vaut plus que tout, les trésors de la terre. Dieu, ce que nous pouvons avoir la grâce de pouvoir avoir un jour comme celui-ci, et comme nous l'avons chanté, c'est vraiment le cri de notre cœur. Tu es merveilleux, notre Père et notre Dieu. Et cette grâce que nous avons de pouvoir marcher avec toi, le Dieu très haut, de voir réellement aussi ton amour à l'endroit des hommes, et aujourd'hui encore à notre endroit, Père, et car c'est vraiment une grâce, un privilège de pouvoir nous retrouver ensemble, Père, pour invoquer ton saint nom et pouvoir chanter aussi le chant de Sion pour glorifier ton nom si merveilleux. Le nom par lequel nous avons été délivrés, Père, rachetés, mon bien-aimé, pertubissant. Le nom par lequel nous avons toutes choses encore dans ce monde pertubissant. Non seulement cette terre, Père, mais aussi dans les cieux, mon bien-aimé, Père. Nous rendons gloire à ton nom, mon bien-aimé, Père, oh Dieu, de ce que tu as ouvert encore nos cœurs pour que nous puissions croire ce que toi, tu as dit, Père, et aussi de croire réellement ce que tu fais encore aujourd'hui, mon bien-aimé, Père Saint. Merci pour chaque cantique qui a été chanté. Merci aussi pour chaque cœur qui t'a aussi chanté, Père. Merci aussi pour les témoignages. Merci aussi, Père Tubissant, pour l'adoration, mon bien-aimé Père. Nous sommes heureux de pouvoir réellement voir que tu agis encore aujourd'hui. Tu attires encore, Père. Nous te remercions pour nos bien-aimés qui ont été baptisés, Père, qui ont pu donner un jour du baptême, mon bien-aimé Père Tubissant, qui ont témoigné, qui t'appartenaient aussi aujourd'hui, bien-aimé Père Saint, et que le monde n'avait plus de valeur sur eux, mon bien-aimé Père Tubissant, ni l'autorité, mon bien-aimé Père, mais c'est toi qui dois dominer sur eux. Merci encore pour les enfants qui t'ont chanté, pour tous nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion dans différents endroits. Père, bénis cet enfant, Père Tubissant, Père, chacun de nous encore ce soir, ce matin, Père Tubissant. Nous te remercions, Père, et nous te disons encore gloire de soir en Dieu pour ce que tu es pour nos Pères, car nous t'avons ainsi prié, glorifié, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie aussi. Vous pouvez vous asseoir. Nous chantons pour la gloire de notre Dieu, parce que nous lui exprimons réellement aussi de la reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il est pour nous et ce qu'il continue encore de faire dans ces jours et dans ces temps dans lesquels nous nous retrouvons. Nous voulons réellement que notre cœur puisse davantage s'attacher à lui. C'est pour ça que nous lui implorons la grâce de pouvoir réellement travailler. Car c'est lui qui nous donne un cœur nouveau et qui nous accorde réellement aussi cette grâce de pouvoir avoir dans nos cœurs les chemins tout tracés qui nous permet de pouvoir reconnaître lorsqu'il nous parle
aussi, de pouvoir aussi avoir ce désir davantage, de pouvoir croire et s'accrocher aussi à lui. C'est vrai que les jours passent, les années aussi, et cela, de plus en plus, nous remarquons que les événements dans le monde apportent beaucoup plus de bouleversements aussi, et nous réalisons aussi que toutes ces choses ne sont pas, sont pas des choses qui arrivent ainsi par hasard, mais c'est parce que le Seigneur a ordonné des choses qui ont été déjà prédites depuis les temps anciens, et que ces choses doivent réellement aussi prendre leur place de manière à ce que les tableaux soient vraiment aussi complets pour que la parole que Dieu a eu à pouvoir proclamer et annoncer pour le temps dans lequel nous vivons puisse réellement trouver pleinement son accomplissement. Comme nous pouvons le voir aussi dans les Saintes Écritures, nous remarquons qu'avant que chaque événement puisse tellement d'importance puisse arriver à pouvoir s'accomplir, il y a d'abord des choses qui ont été d'abord annoncées d'avance et prédites effectivement, qui doivent graviter autour pour montrer au peuple effectivement que voici donc les temps, voici donc le moment afin que nous puissions être secoués, réveillés par cela, pour que nous puissions arriver à pouvoir nous appliquer davantage dans ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir réaliser parce que il amène davantage son œuvre à l'achèvement. Nous savons qu'il est aussi fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses, et aussi que lorsqu'il commence une chose, il n'arrête jamais en chemin, il l'achève toujours. C'est pourquoi nous nous rassemblons, parce que nous avons eu la grâce de connaître réellement l'action de ces dieux dans la vie de celui qui a trouvé grâce à ses yeux pour croire en lui. Parce que s'il vous a réellement appelé et qu'il travaille davantage dans chacun de vous, c'est parce que le Seigneur, lui, ne pourra pas vous laisser en chemin. S'il vous a appelé, ce qu'il a commencé une œuvre véritablement avec vous, c'est 100% vrai qu'il va l'achever. Nous aurons des difficultés dans la marche, et c'est sûr et certain que les montagnes se dresseront devant nous, mais nous savons que toutes ces choses seront donc aplanies. Nous voulons avancer avec assurance, parce que nous savons que celui qui nous a appelés n'est pas un homme. Et c'est lui qui nous a appelés et c'est lui qui a eu aussi à pouvoir dire que je suis l'alpha et l'oméga. Donc, il connaît réellement aussi le cheminement de toutes choses. Parce que vous vous souvenez encore, lorsque Job, dans ses douleurs, dans ses difficultés, dans ses situations aussi douloureuses, commençait à pouvoir crier et pleurer aussi, et dans ses douleurs, il disait, mais pourquoi ces choses sont ainsi? Dieu me prend en partie ainsi de suite. Alors, le Seigneur vient vers lui et dit, mais où étais-tu quand je fondais le monde? Et c'est là que nous devons réellement comprendre qu'il est l'auteur de toutes choses, de sa parole, et il veille, et il veut réellement que nous puissions être aussi certains de lui, le connaître et avoir l'assurance de pouvoir marcher avec celui que nous connaissons. C'est merveilleux de pouvoir aussi nous retrouver ensemble. C'est vrai, nous pouvons chanter, nous pouvons prier, glorifier Dieu, mais il y a toujours quelque chose qui nous reste en fait à l'intérieur et que nous avons la soif que cela puisse combler effectivement cela, c'est toujours la parole de Dieu. Amen. C'est vrai, on peut prier, on peut chanter, on peut tout faire, mais quand Dieu n'a pas parlé, on sait ça, on connaît quand même, il y a quelque chose qui nous manque. C'est pour ça que nous sommes conscients du moment et du temps concernant effectivement pour nous, en tant que fils et filles de Dieu, et de l'importance, effectivement, du moment où Dieu doit réellement aussi nous parler, parce que ça a toujours été la volonté de Dieu de pouvoir parler à son peuple. Et que Dieu bénisse chacun de vous qui êtes venus de loin comme de près. Je vois ma sœur Maïté là, maintenant aujourd'hui je peux la voir, que Dieu te bénisse. Nous sommes heureux de pouvoir réellement être ensemble dans la maison du Seigneur et de voir qu'effectivement que notre Père qui nous a appelés, il nous connaissait avant même que nous puissions le connaître. Et comme nous le disions encore tout à l'heure, que les moments privilégiés pour nous, c'est les moments où Dieu nous parle, parce que ça a toujours été la volonté de Dieu de pouvoir parler à son peuple. Et voilà que cela, c'est ce que l'Écriture dit, je pense, dans Romains, chapitre 8, juste simplement, nous pouvons lire cela, afin que nous comprenions que ces choses sont importantes. Romains, je pense, au chapitre 10, et cela à partir du verset 12, où il dit, vous connaissez même cela par cœur, je crois, il dit, il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent.
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment donc croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas donc envoyés? Donc nous voyons que c'est Dieu qui prend soin de tout le nécessaire et surtout pour pouvoir parler à son peuple. Il a pourvu effectivement de moyens nécessaires de manière à ce que ce peuple puisse réellement entendre aussi sa voix. C'est pour ça que nous voyons que dans les Saintes Écritures, il est tellement parfait qu'il a pu diversifier dans le ministère, il a donné les uns comme, tout comme effectivement, mais tout cela forme effectivement un tout. Mais c'est une manière de Dieu de pouvoir réellement aussi toucher les uns les autres par sa façon de pouvoir réellement aussi travailler. Parce qu'il travaille comme lui, il sait le faire et pas comme la pensée de l'homme. Parce qu'il a dit que vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas donc mes voix. Nous avons besoin de pouvoir réellement nous mettre dans une position telle que lui, il puisse se révéler à nous et nous parler de manière à ce que nous comprenions effectivement quelle était donc la pensée qu'il avait lorsque il exprimait. Il est le seul pour pouvoir. C'est pour ça, c'est merveilleux si nous pouvons trouver grâce à ses yeux pour que lui-même s'exprime, que lui-même puisse réellement prendre le contrôle parce que il est l'auteur de sa parole. La parole de Dieu n'a jamais été la parole d'un homme. C'est ainsi que l'homme ne peut pas connaître la pensée de Dieu. Il a dit lui-même, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Donc, or, nous savons que la parole est une pensée exprimée. Alors, si nous voulons vraiment être sûrs que c'est cela, il faut que l'auteur vienne. C'est pour ça qu'il a fait cette promesse. Il dit, mais ne partez pas encore, effectivement, mais restez donc à Jérusalem. Attendez donc la promesse. Une promesse, c'était quoi? Que vous serez baptisés du feu du Saint-Esprit. Donc, il fallait que lui redescende, effectivement, pour qu'il prenne la place, effectivement, dans ses envoyés, effectivement, pour que lui-même, c'est pour ça qu'il dit, mais c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. C'est lui qui vous rejette, me rejette. Donc, effectivement, c'est encore l'amour du Seigneur qui, jusqu'aujourd'hui, continue à pouvoir te chercher. Et ce même Seigneur, effectivement, il a fait son travail, il a achevé, effectivement, mais il est revenu, effectivement, sous la forme du Saint-Esprit dans ses croyants, pour pouvoir continuer effectivement à chercher jusqu'à ce que, parce que s'il t'a connu, il ne te perdra jamais. Amen. C'est pour ça qu'il cherche jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que le dernier puisse entrer. Toi, tu étais perdu, tu ne te retrouvais pas, mais il t'a pas laissé. On t'a envoyé dans différentes religions, à gauche et à droite, dans ceci et dans cela. Il a dit, celui-là est mien. Amen. Donc il a continué à pouvoir, frère et soeur, l'amour du Seigneur est tellement si grand. Amen. Cet amour ne peut pas te comparer à l'amour d'un homme. C'est impossible. Parce qu'aucun homme, aucun homme ne peut vous aimer comme lui vous aime. C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir vraiment, frères et sœurs, nous confier davantage en lui. S'il y a un ami fidèle, s'il y a quelqu'un, on peut dire que c'est mon confident. Lui, il vous trahira jamais. Non, jamais, il vous trahira, jamais il dévoilera ce que vous êtes. Non, il vous aime, il vous aime. Et d'ailleurs, il est venu pour que nos péchés soient effacés. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Frère et ma soeur, nous sommes heureux de pouvoir l'avoir comme maître. C'est pour ça, il a tellement démontré qu'il est effectivement que il s'est donné à nous sans attendre de nous en contrepartie que l'on fasse quelque chose. Ça, c'est le vrai amour. C'est pourquoi il avait cette autorité, cette capacité de voir nous dire que aimez même ceux qui vous haïssent. Bénissez même ceux qui vous maudissent. Parce que pour un homme normal, c'est pas possible d'aimer quelqu'un qui me déteste, de bénir quelqu'un qui est en train de pouvoir me maudire. C'est pas possible. Mais lui, il a dit, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas différent de païens et des républicains. Pour quelle raison? Parce que, il dit, mais les païens font la même chose avec ceux qui les aiment. Ils s'entendent bien avec ceux qui les aiment. Mais vous êtes différent parce que, ainsi donc, soyez effectivement parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il est parfait dans tout ce qu'il fait. Donc, c'est-à-dire que, s'il me demande, moi, d'être parfait comme mon Père Céleste, il est parfait. Les sentiments de Dieu n'ont jamais été mitigés.
Quand Dieu aime, il n'est pas hypocrite. Quand il aime, il aime. Et c'est ça que le Seigneur nous montre effectivement, parce que souvent, nous disons que nous sommes des hommes comme tous les hommes. C'est vrai, nous sommes des humains comme tous les autres humains. Mais il y a une différence. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous ne sommes pas encore ce que nous sommes censés pouvoir être. Mais c'est vrai que nous sommes vraiment différents. Les humains sont les humains. Mais nous, on nous dit que nous sommes des chrétiens. Mais quand on dit chrétien, ça veut dire Christ. Et ce que nous avons comme esprit, ce n'est pas l'esprit des humains, c'est l'esprit de Dieu. Donc nous avons réellement aussi un privilège pour que nous puissions nous positionner dans les choses qui concernent Dieu, parce que nous avons constaté, réalisé que ces choses ne sont plus étrangères à nous. Aujourd'hui, quand nous prenons la Bible, effectivement, nous ne disons pas que cela est pour les autres. Réalisons que ce que la Bible dit est pour moi. Amen. Donc, je m'identifie dans ces choses parce que c'est mon héritage, en fait. Donc là, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, je me retrouve dans ces choses, effectivement, parce que il y a quelque chose qui s'est passé à moi qui fait que je fais partie maintenant de cela, parce que j'ai eu la grâce d'être visité par Dieu et qu'il m'a réellement aussi accordé la grâce de pouvoir comprendre les choses qui sont donc nécessaires. Et qui, ces choses, effectivement, qui sont, ont été les choses qui m'étaient donc destinées, afin que je puisse réellement prendre part à cela. Que Dieu vous bénisse tous qui êtes venus de loin comme de près, qui avez vraiment roulé des kilomètres et des distances pour que ce matin nous puissions avoir ce temps de communion ensemble autour de sa parole. Lèvons-nous, nous allons lire dans le livre des Éphésiens, au chapitre 1. Éphésiens au chapitre 1, nous lisons à partir du verset 13, et il nous dit ceci. Éphésiens 1, 13. En lui donc, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tout le saint, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a mis tout, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est donc son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Gloire à toi encore ce matin, mon béni Père, pour la grâce que nous avons pouvoir nous tenir ici. C'est ta parole à toi et c'est toi qui as voulu que la parole soit prêchée aussi aux hommes, Père. Donne-nous encore la bonne santé, Père, la grâce de pouvoir tenir, Père, pour que ta parole à toi soit aussi apportée à ton peuple, mon Seigneur, afin qu'ils entendent et qu'ils puissent réellement prendre une position, Seigneur. Tu es le Dieu qui a toutes choses sous ton contrôle. Tu es le Dieu qui soutient aussi, mon béni Père Saint. C'est vers toi aussi que ce matin mes yeux sont tournés, Père, pour implorer ta grâce, ton soutien vraiment et ton secours en ces instants, Père. Bénis ton peuple, mon bien-aimé Père Dieu, et donne-nous encore la grâce de pouvoir entendre ta voix, Seigneur. Prends le contrôle, je t'en supplie, mon maître béni Père. Tu es Dieu et tu es capable, Père, de pouvoir le faire. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance, mon roi. Nous ne vivons que pour toi et si nous tenons aujourd'hui, c'est par ta grâce, mon Père. Merci pour tout, Père. Pardonne encore le péché et le manquement, Père, au Dieu là. Seigneur, oh Dieu, nous avons failli, Père, où je ne manquais pas, que tu puisses pardonner mon soubard. Puisses-tu encore nous aider encore ce matin.
J'ai besoin de toi. Je t'ai ainsi prié, Père, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est tellement aussi important pour nous, quand je parle de nous, effectivement, il s'agit de croyants. Nous qui avons reçu cette grâce et ce privilège de pouvoir réellement connaître d'abord qui est donc ce Jésus dont les saintes écritures ont réellement parlé et continuent donc de pouvoir parler jusqu'à ce jour. Et pourquoi nous devons prêcher effectivement Jésus de Nazareth, effectivement qui était venu et qui a vécu sur la terre et qui a été aussi crucifié, mort effectivement, mais qui est ressuscité le troisième jour comme les saintes écritures nous le témoigne et les déclare aussi. Nous devons avoir l'assurance, effectivement, de ce que nous avons reçu et de celui dont nous parlons, effectivement. Nous ne sommes pas appelés à pouvoir parler des hommes, effectivement, parce que aucun homme n'a jamais rien fait pour nous. C'est pour ça, quand on voit des religions comme le bouddhisme, vous savez, le bouddhisme, il parle de Bouddha avec ses théories, ses théologies, sa façon de pouvoir voir, effectivement, Bouddha n'a jamais rien fait pour les hommes. Et quand on va maintenant pour l'islam, effectivement, il parle effectivement de Mohammed, oui, c'est un Mahomet, comme il appelle effectivement Mahomet, effectivement, de ce qu'il a eu à pouvoir déclarer, faire effectivement, mais Mahomet n'a jamais rien fait pour les hommes. Bon, ils ne peuvent pas comparer Mahomet ou Bouddha avec le Seigneur. S'ils veulent, ils peuvent peut-être comparer Bouddha et Mahomet, peut-être avec Moïse. Parce que Moïse était un homme, un prophète. Parce qu'il parle effectivement de lui en tant, parce que Bouddha est un homme aussi, Mahomet aussi un homme. Bon, le prophète, bon, ça c'est leur droit. Mais j'ai dit, mais s'il y avait comparaison à pouvoir faire, il fallait faire une comparaison entre homme et homme. Mais vous ne pouvez pas comparer un Bouddha, ni un Mahomet, avec Jésus. Non, monsieur. Parce que Jésus est le Seigneur. Oui, Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas un prophète, non. Il est le Dieu de prophètes. Donc on ne peut pas le mettre sur un pied d'égalité avec qui que ce soit. L'homme reste l'homme. Mais lui, il est Dieu. C'est par manque de connaissances qu'effectivement que les hommes dans la religion, parce que la religion tue toujours. La religion ne vous amènera jamais à Dieu, en fait. La religion va toujours vous ramener, effectivement, dans les dogmes, effectivement, et puis en plus de cela, mais toujours vers les hommes, parce que c'est toujours les hommes qui ont commencé quelque chose. Mais quand c'est Dieu qui a commencé quelque chose, c'est sûr et certain que là, nous sommes tournés vers Dieu. Et nous nous tournons, effectivement, vers lui, parce que quand on parle un peu de la manière dont Dieu a pouvoir faire avec Israël, je crois que le peuple d'Israël avait cette certitude que ce n'était pas Moïse qui faisait quelque chose. Parce que ici, quand on parle, dit, Bouddha a fait, Mahomet a fait. Mais non, quand les enfants regardaient effectivement, ils voyaient que Moïse ne faisait rien, mais c'était Dieu qui était dans Moïse qui faisait quelque chose. Et même, on peut dire, oui, mais quand même aussi, on a sait qu'il a fait aussi que à Bouddha, il a fait aussi chez Mahomet. Mais en fait, la différence, même quand on prend cet homme de Dieu, Moïse, si on veut parler homme à homme, il y a différence aussi entre homme et homme. Parce que l'homme que Dieu utilise, il est différent des autres, monsieur. Parce qu'on l'appelle serviteur du Dieu vivant. Mais eux, ils sont serviteurs de qui? C'est ça la question qu'on peut se poser. Maintenant, regardez très bien maintenant. Moïse, avec le peuple d'Israël, effectivement, parce que dans le monde entier, l'histoire aussi mentionne également aussi cet homme, la manière dont Dieu a eu à pouvoir faire, effectivement, parce que tout le monde connaît dans l'histoire un puissant roi sur cet état qui dominait surtout du nom de Pharaon. Vous savez pourquoi Pharaon était puissant? Parce que vous voyez autour de lui, effectivement, les enchanteresses qui étaient là avec Jeannès et Jambres, des magiciens, à cette adoration, dit, ah, tout ça, c'est la puissance qui fait que non, Dieu dit, j'ai été suscité pour faire éclater ma gloire. Afin que mon nom soit publié sur toute la terre.
C'est comme Nebuchadnezzar. Il se lève, évidemment, vous savez que là, à Babylone, c'était le bastion de tous les démons, non? C'est là qu'effectivement, que vous connaissez, non? Il a appelé les magiciens de ceci et cela, après qu'il a dit son songe, vous vous souvenez de cela, non? Donc, tous les démons étaient là, et tout ça, c'était vraiment la base. Où il s'est trouvé d'ailleurs? On appelle l'église catholique, Babylone la Grande, à cause de ces mêmes démons, parce que même la manière dont le pape s'habille, effectivement, c'est comme les prêtres Talus à l'époque, effectivement, et ça vient de la Babylonie, effectivement. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ces trucs-là qui met sur la tête, effectivement, c'est l'adoration du dieu poisson. Regardez les trucs, ce qu'on appelle des seigneurs en question. Quand ils s'habillent, effectivement, avec les choses-là qu'ils mettent comme ça. C'est la gueule du poisson, hein. Mais c'est vrai, c'est pas pour vous faire rire, mais c'est vrai. Ils adorent le dieu poisson. C'est comme cela. Tout ça vient de Sémiramis, de Nimrod, effectivement, depuis, et ça a continué le même démon, effectivement. Parce que quand, bon, on va pas rentrer l'histoire. Donc, vous voyez, effectivement, que là, Nebuchadnezzar était tellement puissant, vous connaissez, non? Il a eu un pouvoir vaincre, effectivement. Alors, il s'est mis debout, là, il a regardé, effectivement, Babylone, la grande ville, effectivement. Il dit, mais, c'est par ma puissance que je fais toutes ces choses, que moi, Nebuchadnezzar, grand roi. Alors, la voix venue, il s'est dit, mais Nebuchadnezzar, toi, quoi? Toi, grand roi, qui a fait tout ceci. Il dit, mais c'est moi qui ai voulu que tu le fasses. Oui, mais il dit, mais puisque ton cœur s'est levé en disant que je suis grand, ton orgueil s'est fait monter, effectivement, il dit, je veux te prouver que je suis le Dieu du ciel qui contrôle toutes choses. Toi, un homme, tu vas manger de l'herbe. Frères et sœurs, nous devons glorifier le Seigneur et le rendre honneur et gloire pour ce qu'il est. Donc, nous remarquons qu'effectivement, nous comprenons que quand Moïse est entré en scène, effectivement, il a montré au peuple en disant que, voilà, que le Dieu de vos pères, effectivement, a eu un pouvoir. Aussi, il s'est souvenu de sa promesse et il l'a accompli aujourd'hui. Alors, le peuple d'Israël avait ce privilège de voir que c'est Moïse ici, il est vraiment un homme de Dieu parce que c'est un prophète de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a envoyé parce qu'il est venu avec l'ainsi par l'Éternel. Et quand il nous a fait sortir de l'Égypte, effectivement, que nous partions, nous avons vu quand même de nos yeux. Nos yeux ici, on a vu que devant nous, il y avait une colonne de feu. La nuit, effectivement, on voyait que Moïse observait cette colonne. Quand elle s'est levée, c'est comme ça qu'on nous suivions. Et même, vous avez, je ne sais pas si nous avons lu avec vous ici, je pense, je ne sais pas si vous l'avez lu ici. Ah non, ce n'était pas avec vous. Alors, vous vous souvenez dans les scènes d'Écriture, lorsque Pharaon, je l'ai lu avec moi. Lorsque Pharaon est venu, quand il est resté là-bas, regardez, c'est extraordinaire, frères et sœurs. Dieu est vraiment bon. Quand tu es un fils de Dieu, chante les louanges de Dieu. Glorifie Dieu. Une fois que Dieu a les yeux braqués sur toi, glorifie-le. Peu importe la douleur, peu importe les problèmes, peu importe les situations, il ne faut jamais oublier ceci, Dieu ne t'abandonnera point. Regardez, frères et sœurs. Quand les enfants d'Israël sont sortis, ils ne se rendaient pas compte. Mais quand Dieu te fait sortir, il a un bon plan pour toi. Amen. Jamais Dieu ne peut avoir des projets de malheur sur toi. Jamais. Tout ce que, s'il en avait, frère, il serait jamais venu dans cette chair. Il serait resté avec les anges qu'il adore parce qu'il en a créé, l'adore, le glorifier, effectivement. Frère, nous ne faisons rien. C'est pas parce que Dieu va faire encore que nous pensons vraiment que nous glorifions Dieu. Frère, il y en a de ceux qui les glorifient sincèrement. Qui n'a pas besoin, il est Dieu, frère. Qui inspire les cantiques? Même les chants, les cantiques. Tu n'as pas dit que moi, je sais bien chanter parce que non. Tu sais que quand tu as dit que l'inspiration vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui fait tout. Il te montre que je suis un artiste. Ces enfants qui jouent à la guitare, effectivement. Vous entendez? Il y a une différence entre quelqu'un qui a telle école et un don. Dieu vous montre que je suis capable. Même si la guitare ne joue pas, elle peut se mettre debout et jouer. Eh non, mon frère. Nous n'avons pas à penser que nous sommes importants. Non, c'est Dieu qui est important. Si ce Dieu important est en moi, alors je suis important. Oh oui, mon frère et ma soeur. C'est sûr et certain. C'est un privilège. Déjà que nous puissions nous asseoir ensemble et chanter la gloire de son Saint-Nom et nous souvenir que nous sommes son peuple. C'est une grâce. Et regardez, frère. Alors que
Moïse est parti là-bas, il a parlé à Pharaon. Ce que j'aime en Dieu, c'est la manière dont il est tellement merveilleux. Amen. Il a parlé à Moïse, effectivement, il lui a dit, va, faire sortir mon peuple, il doit sortir. Et cet homme aimait Dieu, effectivement, parce que vous avez vu comment Moïse a eu à pouvoir parler quand le Seigneur lui a dit, va, il lui a même donné les signes, effectivement, tout ça. Moïse, il dit, ah Seigneur, moi non, c'est pas possible. C'est ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire. Un homme que Dieu veut utiliser, il doit avoir quelque chose de Dieu, mais c'est surtout une très grande humilité au-dedans de la personne. Cette humilité-là, on la fabrique pas. Parce que quand tu es hypocrite, on le voit. Quand tu fabriques l'humilité, on le voit. Mais quand c'est de Dieu, elle fait partie de toi. Et quand Dieu t'a accordé cela, c'est une grâce. Parce que c'est à partir de cela que Dieu va vraiment travailler en toi. Il a observé Moïse, parce que Moïse vous dit, mais j'ai tellement un don. Dieu m'a donné, il m'a même montré effectivement que je mets ma main, je la fais sortir, je te le bâton, et puis il dit, il sera avec moi. Alors, qu'est-ce que je vais encore faire? Je sors simplement, je montre à tout le monde que, voyez-vous, vous avez douté de mon appel et mon ministère, maintenant je vous le prouve, que Dieu est avec moi. Un homme comme ça, c'est pas un homme de Dieu. Il ne sera jamais un homme de Dieu. Parce que, regardez bien, je vais revenir à Moïse encore plus rapidement. Regardez même, le Seigneur lui-même, quand il est venu dans la chair d'un homme, on lui a dit que si tu descends de la croix, on va croire en toi. Et puis, il a dit que le troisième jour, il ressusciterait. Donc, si vraiment il sort du tombeau, nous allons vraiment croire que celui-là, vraiment, il est un fils de Dieu. Mais frère, il a été enseveli le troisième jour. Il est vraiment sorti du tombeau. Mais il n'est pas allé sous la porte. Il dit, Caïphe, regarde-moi, je suis sorti du tombeau. Je t'ai prouvé, frère, il faut connaître Dieu, monsieur. Il a laissé les critiqueurs critiquer. Il a laissé les parleurs parler, mon frère. C'est pour ça, toi, un fils de Dieu, ne fais pas pour que les gens voient que moi j'ai. Non, tu as un ministère, tu as un appel, tu as un don. Laisse Dieu utiliser les dons. Même dans un coin caché, il dit pas, oh, mais les autres, leurs dons sont extérieurs. Non, ton don est différent. Oh, il faut la foule. Frères et sœurs, la foule ne sert de rien. Quand lui-même avançait, effectivement, quand lui-même était sur la terre, il n'en avait que 12. Mais là, il était un démon. S'il y avait quelqu'un qui pouvait avoir le monde entier dans son église, ce serait bien lui, non? Et même quand il y en a même un peu beaucoup. 12, 70. Vous vous souvenez, non? C'était une grande assemblée. Comme aujourd'hui, les gens disent, ah, nous en avons des millions. Pas de problème. Et puis, quand il a vu que c'était tellement si grand, les gens, et puis il se met debout, il dit, alléluia. C'est lui qui ne mange ma chair, ni ne boit mon sang. Il n'a pas expliqué. Ah ouais. Oh, mais c'est divin, mais parce que tout le temps là, j'étais, ah, tout était bien chaud, hein, on voit qu'il est, il y a avec lui les dons, et puis il regarde, le Seigneur, il est merveilleux, frère. Nous, nous devons avoir le caractère de notre Père. La façon dont il voit les choses, où il fait les choses. Ne suivez jamais les émotions des hommes. Et puis il regarde, effectivement, il dit, hey, si quelqu'un ne mange ma chair, ni ne boit mon sang. Oh, Moïse avait dit, celui qui mange, boit le sang d'un animal, par exemple, le sang des animaux, par exemple, parce que tu peux pas boire le sang. Mais là, il dit, il vient, mon sang d'un être humain. Parce que c'était un homme, non? Mon sang est vraiment un breuvage. Et puis il dit, ma chair, ici, est vraiment une nourriture. Je l'aime beaucoup, hein. Il a bien dit clairement, celui qui ne mange la chair du Fils de l'homme, c'était les prophètes, non? Donc il faut manger ma chair et boire mon sang. Il dit, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'a pas la vie éternelle. Alors les gens disent, mais il est fou. Il dit, c'est pas... Frère, on l'a tellement supporté malgré les critiques autour de son ministère, on est resté avec lui, mais là il a commencé... Mais c'est vrai, parce qu'on l'a traité de bâtard. C'est vrai, le Seigneur était insulté, frère. Bâtard, illégitime, de ceci, de cela, on connaît même pas tout ça, tout ça. Mais voyez-vous, frère, le Dieu Tout-Puissant est venu par une voie de mépris. Pour que les sages et les intelligents ne voient point. Amen. Mais que les simples frères puissent arriver à pouvoir voir. Amen.
Il se cache toujours. C'est ça, parce que les gens entendent effectivement, ah, ça sera glorieux. Mais non, mon frère, d'une manière tellement simple, Dieu est en train d'agir. Mais vos yeux ne voient pas. Ne voyez pas, monsieur, mais ouvrez les yeux, regardez. Il vient, en plus, par la voix d'une personne qui était fiancée, qu'on a d'abord déclaré comme ça, aïe! Vous connaissez les langues des hommes, non? On a parlé, mais gloire soit rendue pour ce que Dieu a fait avec Marie. Malgré que les gens critiquaient, parlaient. Et c'est pour ça, c'est vrai que quand quelqu'un parle toujours du mal de vous, vous avez tendance à pouvoir justifier et parler. Ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Faut pas faire ça. Si vous savez qui vous êtes, Alléluia. Si vous savez ce que Dieu a fait de vous, laissez-le parler. Amen. D'ailleurs, vous allez vous défendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui va vous défendre. Alléluia. De toutes les façons, il le fera. Amen. Donc moi, ce que moi je dois apprendre de lui, c'est la patience de compter sur lui. Amen. L'opprobre, moi je dois porter l'opprobre. Amen. Toi, tu dois, en tant que fils de Dieu. Amen. Parce que si lui, on l'a rejeté, toi aussi. Si on a parlé du mal de lui, toi aussi. Il y a toujours une mauvaise réputation sur la terre. Vous savez, le Seigneur n'a pas été apprécié. Est-ce que vous entendez, frère? Il ne s'agit pas d'un prédicateur, il s'agit du Dieu Tout-Puissant lui-même, dans la forme d'un homme sur la terre parmi ses créations. Et il est méprisé, rejeté. C'est sûr et certain. Donc, nous comprenons. Donc, voyons qu'il a déclaré effectivement cela et dans le groupe dans lequel il se trouvait, il dit, c'est pas possible, il devient fou. Il n'avait jamais expliqué cela. Ils sont allés loin et dit, oh, mais c'est pas possible, Moïse nous a jamais dit ça. Moïse avait dit, c'est là qu'on voit maintenant qu'il n'est pas, il savait. Mais il a dit, mais pourquoi murmurez-vous? Parce que je connais vos pensées, ce que vous pensez, je le sais. Il savait, même quand il a prononcé ces deux paroles, il connaissait ce qui était à avoir comme réaction. C'est pour ça, c'est un privilège, une grâce. Si tu peux avoir l'assurance de celui que toi, tu es en train de pouvoir écouter. Amen. Ça, c'est un privilège, une grâce, si Dieu t'a révélé, parce que quand il s'est tourné vers Pierre, il dit, mais pourquoi vous aussi, vous ne partez pas? C'était aussi une brebis aussi dans la même assemblée. Bien sûr que oui. Et j'ai toujours eu à pouvoir le dire, je reviens vite vers Moïse après. Je vais voir, mais il a prêché le même sermon à tout le monde. Le 70, effectivement, waouh. Ils se sont levés et disent, c'est pas possible. En tout cas, nous avons perdu du temps avec cet homme. Si nous savions, on devait l'abandonner depuis très longtemps. Et ils sont partis. Il n'a rien dit. J'aime beaucoup mon Seigneur. Il n'a rien dit. Puis il est resté simplement tranquille. Quand ils se sont vidés, ils posent la question à le petit groupe qui était resté. Donc 70, c'est-à-dire 70, sont partis. Il reste maintenant 12. L'assemblée s'est vidée, non? Alors, vous savez, c'est à ce moment-là qu'on commence à attraper des crises. Mais il n'a pas eu de crise. Il est resté tranquille. Alors il pose la question aux 12 qui étaient restés là. Il dit, mais vous aussi, pourquoi vous ne partez pas? Parce qu'ils sont partis, je prêchais le même sermon, ils sont partis. Pourquoi vous ne partez pas? C'est là que Pierre se lève aussi parmi d'autres. Il dit, mais à qui il nous d'autre qu'à toi? C'est de toi que viennent les paroles de la vie éternelle. Cet homme a fait une déclaration comme vous ceci. Vous savez, ça touche toujours mon cœur. Il dit, nous avons cru, nous avons reconnu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas, j'ai confiance en toi. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a convaincu. Quand tu as posé la question là, qui dites-vous que je suis? Tout le monde a commencé à arroser les ongles. Et moi, j'étais là, mon cœur palpitant, dit même, mon Dieu, paf! J'ai dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu as dit quoi? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. C'est terminé. Il dit, mon âme et tout depuis ce jour s'est accrochée à toi parce que je sais que tu es, nous avons reconnu que tu es effectivement. Nous ne sommes pas des gens qui se suivent parce que simplement à cause de suivre. Non, nous savons où nous allons. Et nous savons où tu nous amènes. Donc, c'est là que
La chose qui était tellement aussi importante, mais comme je disais avec Moïse, je revenais en disant, remarquez une chose. Dieu dit à Moïse, va, fais sortir le peuple. Et il faut que Pharaon lâche le peuple, parce que je suis descendu, les quilles sont montées. Et Moïse a vu, et donc effectivement, et puis il dit à Dieu, vraiment Seigneur, là, je n'ai pas les verbes faciles, c'est-à-dire la langue facile. Et trouve quelqu'un d'autre qui peut arriver à pouvoir aller à ma place, effectivement. Il dit, mais Moïse, qui est celui qui a créé la bouche? Qui peut rendre muet? Et qui peut faire parler? Ce n'est que moi. C'est vrai, non? Et puis il dit, mais va, Moïse, je serai avec ta bouche. Quel privilège. Moi, je te dirai ce que toi, tu dois dire. Et en plus, il élève tellement haut. Il dit, Moïse, toi ici, j'ai dit, je vais te faire Dieu. Vous voyez, comment un homme de Dieu peut être, frère? Parce que les gens parlent trop, la langue, la bouche, ils ont dit, il s'est fait, effectivement. Et là, vous avez la même Bible que moi, non? Vous voulez qu'on le lise, non? Regardez. Regardez. Exode, je pense, au chapitre 3 ou 4, je pense que c'est là. Vous trouvez avec vous. Exode. Je pense. Et voilà, ok. Aïe. Alors, d'abord, c'est chapitre 4, verset 1, je voulais dire cela, mais je voudrais d'abord trouver, voilà, chapitre 4, verset 1, il dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Alors l'Éternel lui dit, mais qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Il lui dit, mais jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-la par la queue. Il étendit la main et la saisit donc. Et saisit par là le serpent et il devint effectivement une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sang. Il mit sa main dans son sang, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Il dit, remets donc ta main dans ton sang. Il remit sa main dans son sang, puis il la retira dans son sang. Et voici, il était redevenu comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, il n'écoute pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. Alors, verset 10, nous disons, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même de bruit que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, mais qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? L'Éternel. Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Vous vous rendez compte, malgré que Dieu lui parle ainsi, et il lui dit même, je serai avec ta bouche, avec autant d'assurance. Alors il dit, ah Seigneur, alors envoie que tu vas envoyer. Alors verset 14, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, mais n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Je sais qu'il parlera facilement, le voici lui-même qui vient au devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras le parole dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, et il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place des dieux. Vous avez entendu? Et tu tiendras pour lui la place des dieux. Prends dans ta main
cette verge et avec laquelle tu feras des signes ainsi de suite. Alors, effectivement, hier, j'ai une parole, effectivement, d'endroit, mais je me trouve plus, effectivement, dans le chapitre, verset 6, ou chapitre 7. Merci beaucoup, mon frère. Alors, dit. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ésaïe, chapitre 7, que Dieu te bénisse. Ésaïe, chapitre 7, verset 1, il dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ce que nous avons lu tout à l'heure, non? Maintenant, regardez bien ici, clarifiez en quoi, disant, mais, je t'ai fait Dieu. Et c'est quand même, voyez-vous, je voudrais avoir la Bible dans mon grand. Tu vois ce que j'ai amené là, et puis l'autre là que vous avez. Si on prend, par exemple, dans cette version, merci, parce que c'est aussi notre version, ici, Exode, chapitre 7, voilà. Tellement petit écrit ici qu'on ne voit pas tellement bien les chapitres, ça. Ce sont des versions qui sont dans cela. 4, 5... 5, voilà, et puis 6, et voilà, 7, voilà. Ah, ça c'est en anglais, c'est pas bon ça, enfin bon, c'est pas grave. Donc, regardez bien, ici il dit, Daniel Amorite, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera donc ton prophète. Et le Seigneur l'a montré, effectivement, en parlant avec, lorsque nous l'avons lu tout à l'heure, en disant que, et Aaron, ton frère, tiendra la place. Il est très bien, je veux que vous puissiez nous puissions le lire. Je crois que nous avons lu ici dans le chapitre 4. Elle est bien, mais c'est le chapitre 4, je pardonne la voix de me donner. Voilà, verset 14 dit. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, il dit, mais n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite, et je sais qu'il parlera facilement. Le voici, lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras le parole dans sa bouche. C'est quand même extraordinaire, non? Il dit, mais tu lui parleras, tu mettras tes paroles dans sa bouche. Et puis il dit, et moi je serai avec sa bouche, et avec ta bouche, et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, et il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place des dieux. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu montre à Moïse la position que Dieu lui a donnée et qu'il peut arriver à pouvoir aussi s'éteindre avec assurance parce que il lui dit même que les paroles que tu vas dire à Aaron de pouvoir faire, ces paroles-là, quand Aaron va le faire, ces paroles vont s'accomplir. Et puis ce qui est merveilleux, c'est ici, mon frère et ma soeur, pour voir comment quand Dieu met, il a pris effectivement Aaron et dit mais pendant que Dieu connaissait Moïse, ce qu'il était, n'est-ce pas? Il a vu qu'il était sincère, effectivement, dans son cœur. C'est pour ça qu'il a fait déjà préparer Aaron. Parce que quand Moïse dit, ah, Seigneur, je n'ai pas la bouche facile, puis il dit, mais d'ailleurs, ton frère, il est sur le chemin. C'est-à-dire que c'est lui qui avait déjà disposé Aaron de pouvoir venir sur le chemin. Donc, si Dieu a eu à pouvoir les assembler comme cela, ça veut dire qu'il y aura une unité telle que quand Dieu parle, Aaron doit obéir. C'est-à-dire que Moïse dit, Aaron obéit. Et cela, dans l'obéissance parfaite, parce que c'est la chose que Dieu a eu à pouvoir les affaires, plaçant, effectivement, Moïse à sa place, et Aaron aussi à sa place. Et mais voilà que, il dit aussi que, je te fais Dieu devant donc Pharaon. Vous vous souvenez? Il envoie donc Moïse. Moïse arrive, effectivement, à Pharaon. Et Moïse déclare la parole, effectivement, avec témérité, en disant que, voilà, le Seigneur a eu à pouvoir déclarer que son peuple doit sortir, tu dois laisser partir le peuple, afin qu'il puisse me servir ainsi de suite. Nous avons déjà eu à voir le lire ici. Regardez une chose, frères et sœurs. Le même Dieu qui envoie Moïse pour aller dire au Pharaon de pouvoir le faire sortir, c'est Dieu, il déclare une chose tout à fait paradoxale. Qu'est-ce qui était paradoxal? Tu m'envoies parce que tu as dit que tu es venu pour faire sortir ce peuple, et qu'effectivement que je dois dire à Pharaon, laisse sortir le peuple de Dieu, effectivement, Dieu veut que son peuple soit libre, effectivement. Et tu me dis, moi, et c'est la grâce que Moïse, tu me dis ensuite que moi ici, je t'envoie, mais je vais endurcir le cœur de Pharaon. Donc tu vas lui dire, mais il va pas faire parce que c'est moi qui endurcirai son cœur. C'est pour que nous comprenons quoi faire ça. Ce que Dieu fait, ce qu'il a envie de pouvoir faire. Amen.
et qu'il n'y a eu aucune puissance qui peut arriver à pouvoir le résister. Regardez une chose, mes frères et sœurs. Quand Dieu dit une chose, la parole doit s'accomplir. Il savait que si Moïse disait, mais laisse aller, Pharaon allait obéir. Mais il a envoyé aussi une autre parole qui dit que j'endurcirai son cœur. En fait, on ne puisse pas dire que la parole n'a pas d'effet. Non, c'est Dieu lui-même. Il dit, fais sortir, et puis il envoie notre parole, effectivement, il dit, mais j'endurcis le cœur. Pour quelle raison il endurcit le cœur? Parce que dans la pensée, la parole de Dieu, Dieu avait dit qu'il allait juger. Je jugerai la nation à laquelle il serait asservi. Si Pharaon obéissait immédiatement, il n'y aurait pas eu de jugement. Donc la parole que Dieu avait prononcée à Abraham serait sans effet. Frères et sœurs, quand Dieu te dit quelque chose, sûr et certain, peu importe, les montagnes peuvent s'élever. La mer peut engloutir. Mais ce que Dieu a dit, il veille sur sa parole. Voilà que Moïse était tellement certain de ses dieux que quand bien même Pharaon refusait, il avait l'assurance parce que Dieu lui avait déjà dit que je vais endurcir. C'est pourquoi faire ça? La grâce que nous avons, c'est quoi? Ce que nous, en tant que peuple de Dieu, nous savons que notre Dieu est tellement si puissant, il est ceci effectivement. Mais il arrive que dans notre marche, nous avons tellement de difficultés de prêts qu'on se pose parfois des questions. Est-ce que vraiment Dieu est là? Est-ce que Dieu est avec moi? Alors voilà la grâce que Dieu t'accorde. Ce qu'il t'a donné un endroit pour que tu entendes la parole de Dieu. Pour que tu comprennes effectivement pourquoi telle situation se passe avec toi. Pourquoi quand vous venez dans la maison du Seigneur, mon frère, ma soeur, croyez que le Seigneur va vous parler. J'ai eu un témoignage, ça c'est notre bien-aimée soeur, je crois. La grande ici, Marie-Isaac. Et souvent, quand elle m'écrit en néerlandais, mais quand elle a un témoignage qui touche effectivement, alors elle va en français. Alors, j'ai reçu son SMS hier. Elle me dit, frère Léna, je glorifie le Seigneur de tout mon cœur. Il est vraiment, j'ai dit que Dieu soit béni. Elle dit, je suis tellement heureuse parce que j'ai vu la grâce de Dieu. J'ai dit, mais je suis toujours heureux quand j'entends cela. Elle me dit, j'avais un problème parce que l'autre jour-là, quand tu avais prêché la parole, je crois que c'était, je sais plus quel jour, je pense que c'était le maître des jours d'avant. Je ne sais plus que le jour d'avant, au dimanche, je ne sais plus si c'était dimanche. Et alors, tu as prêché, tu as parlé, effectivement, je pense que c'était donc des maris, je pense quelque chose comme ça, je pense que c'était des maris, je pense. Hein? Ah, elle dit le mercredi, quand tu es parti, Chabrieux, sur l'Esco, effectivement. Eh bien, viens un peu parce que tu vois la mémoire de vie. Viens, viens, c'est pas un problème. Tu peux le rendre, ce témoignage, effectivement. Comme ça, nous continuons. Juste en bref. Donc, et pendant ce temps-là, effectivement, elle m'a dit que quand nous étions donc à Bruyères, elle a eu à pouvoir évidemment avoir un problème, un souci dans sa pensée. Juste, vas-y vite, ma grande. Ben, le mercredi, quand nous étions partis à Bruxelles-Esco, le frère Léonard avait commencé à parler que quand le Seigneur a dit au serpent dans le jardin d'Éden, il avait dit que oui, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Et Satan croyait qu'on parlait de Ève, alors qu'on ne parlait pas de elle, mais on parlait d'une autre femme. Et moi, ma question était, de quelle femme on parlait alors? Et j'ai cru qu'à Bruce, il est-ce qu'il allait répondre à ma question. Et il n'avait pas répondu. Et le jeudi, nous sommes venus à l'église, j'avais prié au Seigneur qu'il puisse me parler et qu'il puisse toucher mon cœur ce jour-là. Et le jeudi, le frère Léonard a dit la même phrase en disant que on ne parlait pas de Ève, mais la femme dont on parlait était Marie, et je remercie le Seigneur pour ça. Merci beaucoup. Juste ça pour que vous puissiez comprendre que quand vous aimez Dieu, que vous vous préoccupez, Dieu connaît le désir. Parce que parfois, vous venez avec mes projets, bon, on va, on va. Non, ne venez pas seulement quand on va, on va. Non, j'ai un problème, comme vous l'avez entendu. Elle avait un problème. Elle avait l'impression peut-être que Dieu ne la connaît pas. Que Dieu ne peut pas. Vous savez, tu as l'impression que non, Dieu ne me connaît pas, Dieu ne voit pas. Non, quand Dieu s'intéresse à toi, c'est qu'il te connaît. C'est vrai. Et puis, ben, ces questions, ça le travaillait. Il dit, mais, parce que pour les uns, ça passait comme ça, mais pour elle, il dit, non, mais c'est pas possible. Alors, de quelle femme? Pour vous, c'est évident que vous pensez, vous savez, mais elle dit, mais de quelle femme il s'agissait? Donc, Dieu a vu son cœur. Le Dieu du ciel a vu sa préoccupation. Donc il dit, mais Seigneur, je voudrais quand même dire, elle a prié. Il dit, mais Seigneur, je veux que tu me parles. Quelle bonne position et une bonne disposition. Et quand elle est venue avec la préoccupation qu'elle avait,
Elle entend qu'effectivement, que la personne qui se tient devant, effectivement, alors qu'il n'a même pas parlé avec la personne reprend la même phrase, la même chose, effectivement, et donne la réponse. Comment ne pas glorifier Dieu et dire, Seigneur, tu es vraiment mon Dieu. Donc, quand tu as un problème, mon frère et ma soeur, Dieu a pourvu un moyen aussi pour pouvoir te parler, c'est par sa parole. C'est pourquoi pour un enfant de Dieu, le moment le plus important pour sa vie, c'est pendant la parole de Dieu. Parce que c'est à ce moment-là que je sais que Dieu va me parler. Dieu va me dire effectivement ce qu'il en est pour que je comprenne effectivement ce qu'il en est avec ses combats. Pourquoi telle chose effectivement m'arrive, Seigneur? Pourquoi c'est effectivement? Parce que Dieu est capable de pouvoir vous révéler la chose. Et quand il vous révèle maintenant, vous avez maintenant la foi et la persévérance. De savoir qu'effectivement, c'est pour ça, l'arme la plus puissante qu'un chrétien peut avoir, c'est la parole de Dieu. L'ignorance de la parole fait qu'effectivement que Satan se joue de vous tout le temps. Quand on a la parole de Dieu, on a la voix dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, toute chose nous devient possible. C'est vrai que les situations sont difficiles, mais ça peut pas s'arranger, effectivement. Non, la chose, c'est que je ne veux pas que la chose s'arrange selon ce que moi j'attends. Je veux que la chose, parce que, croyez-vous, c'est que avant que la chose en question ne vous arrive, le Seigneur la connaissait. Les enfants d'Israël, pour qu'ils soient en Égypte, ils sont pas allés tout seuls. Non, Dieu avait dit, il serait asservi dans un pays étranger. Donc Dieu savait ce qui allait se passer. Donc il savait effectivement comment les choses allaient se passer avec eux là-bas. Il savait. Il avait même dit à Abraham, dit, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et cela s'est passé exactement. Ça veut dire que Dieu savait le moment où ils allaient entrer. Comment ils seraient effectivement, quand Pharaon va prendre le contrôle effectivement de voir faire soumis. Dieu savait toutes ces choses-là. C'est pourquoi rien dans ta vie n'est inconnu à Dieu. La seule chose qui empêche que tu puisses arriver à atteindre ce que Dieu veut que tu puisses atteindre, ce sont tes doutes, tes inquiétudes et ton incrédulité. L'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu, mais par contre toi, oui. C'est pourquoi que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et voilà qu'effectivement que le Seigneur a fait ce qu'il avait fait, effectivement. Les jugements sont tombés sur l'Égypte. Il a les sauterelles, les guéniers, les ceci, même l'eau était... J'aime Dieu, frère. Vous vous rendez compte, même source d'eau ici, qui alimente effectivement jusque là-bas, la source d'eau, et l'eau coule, l'eau reste rouge ici, et là-bas, l'eau, elle est claire et limpide. Même pays. Les grenouilles sont c'est bien de ce côté-ci, ils ne traversent pas la frontière. Non. Oh, alléluia. 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 Même la mouche, monsieur. Oh. Elle fait tout sans zui là-bas. Elle arrive ici, elle dit là-bas, frontière. Jamais. Oh. Frère, Dieu est tout puissant. Amen. 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 Il y a la grêle là-bas, c'est si le feu qui tombe là-bas. Même pays, même lieu. Frère, c'est vrai. Ça tombe ici, la grêle. Vous qui êtes incrédules, c'est un malheur pour vous, frère. Vous écoutez depuis des années, toujours pareil. Malgré qu'on parle, frère, revenant à la parole de Dieu, toujours, frère, je sais pas, parce que il y a quelque chose qui se passe, vous savez. Alors, regardez, ici, ce côté-ci, la grêle et le feu tombent là, brûlent effectivement, juste à côté là. Juste à côté là, frère, pas loin, juste à côté. Ils sont tranquilles, la guerre ne traverse même pas la frontière. Et alors maintenant, pour maintenant quand même voir que ça c'est quand même extraordinaire, frères et sœurs, c'est un même pays, le soleil, il est là-haut. Quand il est clair, il illumine tout le monde. Les espaces, effectivement, il est fait. Il illumine tout le monde, effectivement, mon frère et ma sœur. Le même soleil, il est clair partout. Mais ces jours-là, ces temps-là, monsieur, madame, le soleil, le même soleil. D'un côté, ah non, Dieu, il est bon. D'un côté, il devient noir. De l'autre côté, il devient clair. Expliquez-moi. Alléluia. Il y a une frontière, monsieur. Nous ne sommes pas comme tous les autres, monsieur. Il y a une grande différence. Même la nature reconnaît qui tu es. Quand vous marchez sur la route, le vent qui vient, il te frappe, il sait qui tu es. La pluie qui tombe sur toi, elle tombe sur toi et sait qui tu es. Et l'autre aussi qui il est. Alléluia. Oui, monsieur.
Oh, nous sommes un peuple de Dieu, frère. Amen. Un peuple différent et mis à part. Et cette différence, elle est vraiment vraie et réelle, monsieur. C'est pas de la comédie ou de l'histoire, mais c'est une réalité. Tout ce que Dieu fait, c'est pour ton bien. Alors que Pharaon, à un certain moment, il dit, mais oui, ma, maintenant, oui, mais j'ai tellement souffert, j'ai tellement vu, effectivement, parce que chez moi, c'est toujours le malheur, là-bas, c'est toujours le bonheur. J'ai invoqué mes dieux des têtes d'oiseaux, des têtes de serpents, des têtes de caïmans, de tout ça, parce que comme ça, c'était là-bas. Il dit, c'est quand même pas possible. Il dit, vous savez, quand la plaie est tombée, effectivement, qu'ils sont parce que même les sauterelles qui sont venues, ils ont mangé la culture, ils traversent par la frontière. C'est extraordinaire, non? Ils mangent ici, ils mangent ici, ils mangent ici, mais ils arrivent là. Là-bas, on ne touche pas. C'est sûr et certain. Et puis là, il trouve effectivement que tout a été détruit. Il dit, bon, mesdames, regardez bien, l'Égypte a été détruite. Les vaches, tout ça, parfois ils gonflent le ventre, tout ça, ils meurent et s'en vont. Là-bas, elles sont bonnes, elles sont grasses, elles mangent bien. Maintenant, Pharaon dit, maintenant, écoutez, les derniers fils, premiers partis. Maintenant, écoutez, prenez vos enfants, prenez tout ce qu'il a dit, ça, prenez tout, partez. Il dit, ce n'était pas lui. Mais d'abord, regardez une chose. Quand les sauterelles venaient, ou quand toutes ces choses, par exemple, les sauterelles sont venues, ou bien sont dégrenues, remplissées partout, effectivement, il a appelé ses magiciens, il a appelé tous ces gens-là qui connaissaient, effectivement, qui sont, pour lui, qui sont capables de pouvoir faire la démonstration de ceci et de cela. Oui, les démons peuvent jouer avec les autres qui sont sous l'emprise des démons, mais jamais avec un enfant de Dieu. Ou quand la présence du Seigneur est là, il fouille sa puissance à lui et n'est rien par rapport à la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les pouvoirs que Satan a, c'est ce que Dieu a donné, la limite effectivement, et qui peut arriver à pouvoir rivaliser contre les pouvoirs de Dieu. Voilà que ils sont venus, ils ont invoqué pour que les sauterelles s'en aillent, ils ont tout fait effectivement, rien. Toujours rien. Le pharaon dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il n'y a qu'un seul homme. C'est lui qui a dit que les sauterelles soient. C'est celui aussi qui peut dire que les sauterelles s'en aillent. Faisons appel. On doit reconnaître qui tu es. Lui, s'il prie, il n'y a pas de problème. Parce qu'on sait que si lui-là, il vient ici, c'est ce terrain qu'on voit ici, il n'a pas dit simplement, parce que c'est celui-même qui a prononcé. Alors faites-le venir, Pharaon. Alors Moïse, il vient dire, c'est là Pharaon. Il dit, Moïse, bon, dis à ton Dieu que ce terrain s'en aille. Il dit, ça va, je vais dire au ce terrain de s'en aller. Et quand il dit, fais d'abord partir les sauterelles. Les sauterelles sont partis. La question de Messie encore, vous vous souvenez, non? Maintenant, la dernière plaie tombe effectivement sur l'Égypte. À ce moment-là, il a pas dit, maintenant c'est fini. Vous avez remarqué une chose, frère, quand vous lisez la parole de Dieu, les Saintes Écritures, faites toujours très attention. Lisez pas avec les lunettes qu'on vous donne par les prédicateurs. Surtout les branamis, effectivement, il faut jamais ça. Vous devez avoir des lunettes que Dieu vous a données pour pouvoir voir. Parce que les mêmes lunettes que le prophète a utilisées pour regarder, voir la Bible, c'est la même lunette que Dieu va vous donner. Je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez jamais ça. Vous devez avoir la même expérience, vous-même aussi, avec Dieu. Paul connaissait bien Moïse et quand il lisait, il utilisait le lien de double foyer qu'on lui a donné, effectivement, en lui disant que c'était celle-là que Moïse avait utilisé. Mais quand il lisait, effectivement, il ne voyait pas très bien comme Moïse voyait. Vous savez comment il lisait quand il disait, Moïse a dit, en fait. Moïse, en fait, il voyait avec une autre focus, hein, pour dire que, bon, je suis en train de voir en principe comme Moïse a pu voir. Mais en fait, il ne voyait pas comme Moïse voyait. Quand il est dans les déserts d'Arabie, c'est là maintenant qu'il pouvait voir maintenant comment Moïse voyait.
Il a prêché en disant, mais ces gens me persécutent aujourd'hui, ceci, cela. Mais moi ici, je ne me suis écarté à rien de ce que Moïse et les prophètes ont prêché. C'était qui, acte 22. Est-ce que vous suivez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne faut pas me détester, mais enfin bon. Regardez une chose. Dieu avait dit, je leur ferai sortir effectivement avec des richesses. C'était des pauvres, non? Des esclaves. Ils étaient soumis au pharaon. Et je ne pense pas qu'ils étaient payés par ce qu'ils faisaient comme travail. Mais alors, quelle richesse ils allaient sortir avec? C'est écrit, messieurs, c'est écrit. Ils sortiront avec des richesses, c'est écrit. Dans Genèse, chapitre 15, effectivement, c'est écrit. Mais ils étaient asservis, esclaves. Ils ne faisaient pas la contrebande quand même derrière la maison. Non, monsieur. On veillait tout ce qu'ils faisaient, effectivement, là, chez eux. Et qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? Lorsque la peur a saisi, votre attention s'il vous plaît, frère. Lorsque la peur a saisi effectivement le cœur des Égyptiens, et qu'ils ont vu effectivement ce que ce Dieu d'Abraham était capable effectivement de faire pour sa postérité, les gens les ont suppliés, partez en prenant même leurs biens, leurs données. Il dit, prenez, partez. Et les enfants, ils seraient dit, oh, vous nous dites, mais je veux ça. Oui, on leur a donné de l'or et de l'argent, on l'a pris, ils ont pris. C'est comme ça, ça s'est passé. La peur, il dit, mais partez. Il dit, oh, je vais partir, bien sûr, mais ça je veux. Oui, c'est comme cela, monsieur. Ils sont sortis avec beaucoup de richesses. Ils ont souffert, frère. N'oubliez pas, même quand tu parles aux filles, Dieu a quelque chose pour toi. Seigneur, je ne sais pas payer. Ne t'inquiète pas. L'argent est quelque part pour toi. Sois sûr et certain parce que les banques, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. D'ailleurs, qui est celui qui a fabriqué l'or? Il n'y en a pas personne. Qui a fabriqué les diamants? Il n'y a personne. Les diamants appartiennent à Dieu. L'or appartient à Dieu. Donc Dieu en question, c'est ton père. Leur banque est remplie d'argent de ton père. Alléluia! Voilà pourquoi, à la fin, les contributions doivent être remboursées. Bref. J'ai payé, mais à un certain moment, on va dire, on fait les décomptes. Oh, comment ça fait 15 000? Ah oui, 15 000, parce que c'est l'argent de ton papa. Et pourquoi ne vous plaignez pas? Je ne sais pas avoir l'argent, oh, problème avec ton frère et ta soeur. Non, ne vous faites jamais des problèmes pour ça. Et puis nous, enfants de Dieu, on sait que si j'ai emprunté, je dois à Frère Jonas. Si j'ai emprunté à Frère Jonas, mais je ne dois même pas rentrer à la maison sans lui avoir donné son argent. Donc ça me travaille. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te rappellera. Jonas, tu as beau prier tout à l'heure, mais Jonas, il faut penser à Jonas. Lui, Jonas ne le sait pas. Mais là, le cœur travaille. Jonas. Parce qu'il ne veut pas que tu partes sans avoir des problèmes avec Jonas. Donc, les enfants de Dieu, Dieu conduit. Donc, quand nous empruntons quelque part, on sait qu'on doit payer. Parce que si on ne paye pas, on ne dort pas tellement très bien. La communion. Mais c'est lui qui t'emprunte, qui dit, oh, c'est un fils de Dieu, il ne va pas chercher à pouvoir me demander, il a un problème. Même si moi, je sais que quand je donne à quelqu'un, je ne vais pas chercher à pouvoir le demander. Mais en fait, toi, tu dois quand même être conscient. Et quand je lui ai demandé, c'était pour que je le rembourse. Même s'il ne te demande rien, il est tranquille. Mais toi, tu ne dois pas être tranquille. Bon, bref, on revient là-dedans. Voilà, vous voulez partir, partez. Puis dans les, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça. Ils vont les dépouiller. Alors, ils ont pris de l'or, ils ont pris de l'argent, effectivement. On a donné, ils sont sortis avec tout ça, effectivement. En réalité, parce que, Pharaon leur faisait travailler. Donc, ces Égyptiens étaient leurs banquiers qui, quelque part, gardaient l'argent. Mais bien sûr, parce que vous ne me payez pas. C'est vrai, c'est sûr. Tu me fais travailler, je viens chez toi, je nettoie la terre et les sols et tout ça, tu m'insultes tout le temps, il n'y a pas de problème. Tu ne me payes pas bien, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu gardes sur le compte d'épargne? Eh oui, frère, ne touchez pas mes oins, n'oubliez jamais cela. Un fils de Dieu, un patron au travail, lequel est le problème? Pas de problème. Je vais te licencier, pas de problème. Mais cette entreprise-là ne va pas vivre longtemps. Vous valez beaucoup plus que vous pouvez. C'est pourquoi je dis,
on doit respecter chaque frère et chaque sœur. Jamais, frère, c'était le vendredi, j'ai dit, je ne souhaiterais jamais qu'on crie à des frères et des sœurs à l'extérieur. Un frère, une sœur, on doit la respecter. Si déjà les gens de dehors vous méprisent, et si on doit qu'on vous méprise, c'est pas possible. Non, parce que celui qui vous touche, touche Dieu. Donc, nous devons comprendre cela et dans la marche, effectivement. Alors, voilà que, ils ont pris les richesses, ils sont sortis. Ils ont d'abord la terre en Égypte, effectivement, on l'a avec tous les plaies, tout ce qui était parti. Ah oui, maintenant, ils sortent, maintenant, ils dépouillent tous les Égyptiens. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Avec tous les biens, les vases d'or, vases d'argent, tout ça, ils sont sortis. Écoutez, parce que quand Dieu s'occupe de toi, il s'occupe de toi dans tout le moindre détail. Même les choses auxquelles tu ne penses pas. Ils sont donc sortis avec joie, alléluia, gloire à Dieu, nous avons les trésors et tout ça, Dieu est bon, Dieu est si bon, Dieu est merveilleux. Alors ils le voyaient, ils le glorifiaient Dieu parce que la colonne de nuée, la journée, colonne de feu, ils chantaient, ils allaient effectivement avec beaucoup de joie. Là, gloire à Dieu, paf, boum, pou, poussé devant la mer rouge. Là, à ce moment-là, les cantiques se sont arrêtés. Et puis même la richesse devient lourde. Comment ça penser? Je sais pas, même si je sais pas traverser ici, et avec tout ça, ça va me servir à quoi? Oh, maintenant commence, oh, je pouvais avoir l'épargne en Égypte. Oh, pourquoi ne suis-je pas resté en Égypte? Vous vous rendez compte? Il vient de sortir de l'Égypte, il pense que pourquoi ne suis-je pas resté en Égypte, effectivement. Mon frère et ma soeur, Dieu ne fait jamais d'erreur. Amen. Qu'on ne vous trompe jamais, frère. Dieu ne peut jamais faire une erreur. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi, frère? Parce qu'avant que l'événement n'arrive, il la connaissait. Et c'est lui qui a ordonné chaque événement. Donc, il ne peut pas se tromper. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est vrai, ça. Jamais. Et c'est la vérité. Impossible que Dieu se trompe. Et voilà qu'ils arrivent. L'homme qui a dit, aïe, Moïse, cet homme, il est vraiment malade. C'est pas possible. Vous avez remarqué? Moïse n'a jamais bronché. Il avait une telle confiance en Dieu que parfois c'est ça que le problème parfois avec les gens. Quand tu regardes un homme de Dieu, effectivement, qui sert le Seigneur, quand il fait certaines choses, il dit, mais il y a un problème peut-être avec ça. Mais pourquoi est-ce que il fait ça? Et pourquoi, par exemple, il me demande de faire ça? C'est pas logique, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que, dis donc, moi, logiquement, moi, normalement, je peux pas, c'est pas possible qu'il me demande de faire ça. Est-ce que vous comprenez? C'est normal que, quand ils sont arrivés, il a dit, mais Moïse, il a un problème quelque part, parce qu'il est dérangé, nous amener où c'est, devant la mer rouge, c'est impossible. C'est qu'il y a un problème de stratégie dans sa tête. On n'a pas vu Moïse commencer à dire, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Non! Moïse était tranquille. Regardez ce qui est extraordinairement merveilleux pour comprendre quand Dieu a un projet sur vous, je vais m'arrêter parce que le temps, un projet pour vos frères et sœurs, soyez dans la paix. Glorifier Dieu, même si la tempête bouge. Vous connaissez ces candidats, mais et quand les vents me bougent, qu'est-ce qu'il fait? Et quand les vents me bougent, travaille pour mon bien. Qu'est-ce que je fais alors? On se met racine, puisque j'aime Jésus. Alléluia! La tempête pense qu'elle va te pousser loin pour aller. Non! Toi, tu es là, ça pousse effectivement. Quelque chose te tient. Qu'est-ce qui te tient? Les racines, monsieur. Je ne suis pas un arbre dans un pot de plantes, n'est-ce pas? Non, j'ai déjà planté à l'extérieur. J'ai subi des vents, j'ai subi l'hiver, j'ai subi la grêle, les racines enfoncées. Alléluia! Je ne suis pas un nouveau venu. Je suis passé par des moments difficiles. Pendant qu'on tapait à gauche, la France a s'enfoncé. Pendant qu'on tapait à droite, s'est enfoncé. Maintenant, quand tu vis encore, tu m'enfonces encore davantage. Plus tu frappes, plus je pénètre encore. Et qu'est-ce qui se passe effectivement? Il dit, mais ces feuillages sont toujours très verts. Pourquoi? Parce que les racines s'enfonçant, il y a une source d'eau en dessous. Amen.
Oh oui, mon frère, c'est un bonheur d'avoir ce Jésus. Pourquoi l'aimer de tout son cœur est un privilège. Parlez-moi de Jésus, ce sauveur merveilleux. Vous le connaissez? Ah, non si beau, si doux, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. C'est merveilleux, hein? Amen. Et là, que sorti effectivement, et là, devant la mer rouge, il m'a dit, pour nous, c'est fini. Non. Dieu avait un bon projet. Un bon projet qui allait donner la paix à tout son peuple, que le peuple ne savait pas. C'est pourquoi le projet que Dieu a formé pour toi, sœur, pour toi, même si les diables viennent avec la maladie, le projet que Dieu a formé sur toi, ce projet va aboutir, mon frère. Alors, il ne savait pas, effectivement, il dit, ici, on nous a amenés pour la mort. Dieu ne t'a pas fait sortir pour te tuer. Non. Jamais. Dieu t'a fait sortir de tous ces bourbiers-là, c'est pour que tu vives. Amen. C'est parce qu'il te connaît. Amen. Tu es son fils, Amen. Tu es sa fille, Amen. Tu dois vivre. Amen. Et en toi, Dieu veut être glorifié. Amen. Car tous ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné. N'est-ce pas vrai? Amen. Alors nous comprenons effectivement ce que cela a prédestiné, être l'image, et puis mais ce qu'il a prédestiné, il a aussi justifié, n'est-ce pas? Et puis nous comprenons. Alors voilà que... Aaron, qui a eu à pouvoir laisser partir le peuple, Dieu savait. Et quand il serait resté, qu'il aurait regardé effectivement le pays dévasté. Et puis, sa population aussi, avec tout ce qui s'est passé, parce que tout le monde, vous voyez, là, il y avait les premiers, tous les enfants de chaque famille, effectivement. Bon, c'était les deuils. Quand vous avez perdu quelqu'un, votre cœur est déchiré, la force se forme, toute la famille entière, elle a perdu la force. Il ne fait que pérer, puis tous les biens sont partis parce que ils ont dit ça, c'est parti. La terre, effectivement, les animaux, tout ça qu'il y avait de l'élevage et tout, détruit. Parce que c'était un champ de ruines. Il regarde, il dit, mais qui sont ceux qui travaillaient ici à l'époque, effectivement, maintenant, je n'ai plus rien. Le démon s'élève. Satan, il pense qu'effectivement, qu'il va faire quelque chose qui va surprendre Dieu ou bien les hommes. Les hommes, oui, probablement. Mais en fait, n'est-ce pas que le Seigneur, notre Dieu, nous dit que, avant même que la pensée m'arrive, pour que ce soit des paroles, Dieu la connaissait déjà. Donc, ce que tu penses maintenant, ce que tu vas penser demain, et aussi après-demain, Dieu le sait. Parce que s'il ne le savait pas, il ne serait pas Dieu. Pourquoi déjà, vous comprenez que, aujourd'hui déjà, il ne vous prépare pour ce qui va se passer demain, après-demain. S'élève maintenant, il dit, bon, je vais maintenant poursuivre ce peuple que j'ai laissé, parce que je ne vais même pas le laisser partir. Il s'est levé avec ce char, avec tout ça, tout ce qui, son armée, dit, on va là-bas, moi je vais pour aller détruire. Évidemment, c'est vrai qu'il venait avec une colère ardente, effectivement, pour pouvoir détruire tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, en fait. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que quand un démon est chassé dans une maison, ce qu'il sort, va aller dans les lieux arides, effectivement. Il ne trouve pas une place, il devient colérique. Il dit, j'ai combien, j'avais une maison. Cette maison, je dois arriver à pouvoir y retourner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre encore ce démon encore plus pire. Il faut qu'on aille forcer effectivement cela. Donc la colère était tellement, elle est montée effectivement. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais ça c'était ma propriété à moi, j'étais à cet endroit effectivement cela. C'est pourquoi quand on a prié pour vous, vous devez toujours rester à l'écoute de la parole de Dieu. Même quand vous vous sentez bien, même quand tout commence à aller mieux, c'est jamais les bras. Vous savez, il faut lire Ephésiens 6. Ephésiens 6. Amen. Juste une phrase, une parole, et puis nous revenons vite dans Exode, et puis bon, je vais vous laisser partir. Ephésiens, chapitre 6, nous avons lu chapitre 1, mais bon, c'est vrai que nous ne sommes pas rentrés
dedans, le Seigneur notre Dieu. Éphésiens chapitre 6. Voilà, Éphésiens chapitre 6. Il nous dit. Verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, verset 13, il dit, vous suivez? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir quoi? Voilà. Quand tu as tout surmonté, tu dois toujours tenir ferme et persévérer parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Il n'a pas dit, bon, ah Seigneur, j'ai vaincu par la foi, ceci, alors j'ai fait baisser le bouclier de la foi, maintenant je suis vainqueur, c'est plus possible, c'est terminé. Non, monsieur, la foi doit être toujours en action. Mais certains, on est continuellement effectivement dans cet état d'attente effectivement. Alors voilà que Pharaon s'est levé, il venait avec autant d'armes effectivement, et le peuple d'Israël était tellement dans l'angoisse parce qu'ils ont vu Pharaon venir. Et avec l'armée qu'il venait, et ils n'avaient pas d'armée, ils étaient sûrs et certains que là, Pharaon allait tout détruire. Alors la peur, maintenant, là, les gens commencent maintenant à pouvoir dire ce qu'il ne faut même pas dire. Mais regardez l'attitude, effectivement, de Moïse quand Pharaon, quand le peuple a commencé à pouvoir, arriver à pouvoir venir. Regardez l'attitude qu'avait Moïse. Et ça, c'est impressionnant. Puis regardez, effectivement, que ce que Dieu est capable de faire pour toi, alors que tu n'y as même pas pensé, alors que tu ne sais pas, parce que quand tu dors, les gens de mauvais cœur, effectivement, les sorciers, pensent tellement de choses à ton endroit, qu'ils font des choses à ton endroit, sans que toi tu t'en rendes compte. Et tu ne te rends pas compte de ce que Dieu fait pour toi. Pendant qu'ils étaient effectivement devant la mer rouge, effectivement, et commençaient à crier, oui, mais tu nous as amenés ici, en Égypte, effectivement, il y avait des oignons, des tombeaux, aussi, parce que là, tu n'en es pas pour mourir, effectivement. Dieu dit à Moïse, mais pourquoi tant de cris parmi le peuple? Et pendant que Pharaon venait, effectivement, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Regardez très bien. Lui-même, il s'est interposé. Ce que le peuple ne s'en rend pas compte. Dieu s'est interposé entre Pharaon et son peuple. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Chose que le peuple ne s'en rend pas compte. Qu'est-ce que Dieu a fait, effectivement? Les chars de Pharaon. Ah, vous voyez les chars là sur lesquels les soldats étaient en train de courir, effectivement. La Bible dit que le Seigneur a enlevé le roux. Les roux de ces chars ont été... C'est écrit, frère. Les roux de ces chars, effectivement, le peuple devait voir que l'Éternel combat. La Bible dit, mais l'Éternel combattait pour Israël. C'est vrai, c'est la vérité. Mais bon, on peut les lire avec vous, hein, parce que on peut dire que, bon, et voilà que... Hein, il nous dit des choses. Regardez bien si au chapitre 14. Chapitre 14 de Exode. Dieu est bon. Dieu est bon. Regardez comment l'Écriture nous montre effectivement qu'il nous dit ici, verset 1. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent effectivement ainsi, qu'ils comprennent. Verset 3 dit, mais Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, les déserts et les enfermes, j'endurcirai donc le cœur de Pharaon et il le poursuivra. Vous avez entendu cela? Amen. C'est Dieu qui dit, hein? Amen. Je vais endurcir son cœur et il va le poursuivre. Mais il va poursuivre qui? Mais il va poursuivre le peuple de Dieu. Est-ce que vous suivez, frère?
Parce qu'il faut connaître le Seigneur. Oh Seigneur, je vois que ça ne va pas tellement trop. Dieu sait ce qu'il fait. Il dit, mais je vais endurcir son cœur maintenant, il va poursuivre les enfants d'Israël. Les enfants que moi j'ai fait sortir. Regardez bien. Et puis écoutez bien, il les poursuivra. Et puis il dit, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Amen. Maintenant, regardez, chapitre 80, verset 19. Il dit ceci. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit à la derrière eux, vous suivez? Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Vous entendez cela? Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Vous entendez cela? Amen. Alors il dit, petit Dieu dit, et regardez, Timba dit, voilà, ici, voilà, regardez bien. Je vais lire à partir du verset 24. Chapitre 14, verset 24 dit, à la veille du matin, vous suivez? L'Éternel de la colonne de feu de nuée regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta le roue de leur char et arrondit la marche difficile. Amen. Les Égyptiens dirent alors, mais fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Et ça, Israël ne le savait pas. Donc Dieu, pendant que vous ne venez pas, il travaille pour vous. Et voilà, frères et sœurs, pourquoi il a dit que j'endurcirai le cœur de Pharaon afin qu'il puisse poursuivre les enfants d'Israël? Parce que, vous savez, ce qui a dominé sur vous, ça vous traumatise tout au long de votre marche, frère. C'est une chose qui est toujours là. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir vous dire ici, frères et sœurs, et surtout, je le répète encore, pour que ceux qui disent, oh, on va se fiancer, on va se marier, et puis après, on sait que d'après le message, on nous a dit, asseyons-nous. Ouvrons les livres maintenant. Toi, sœur, dis-moi, depuis que tu es, par quel passage Dieu est passé. Comme ça, non? Et ça, c'est quelque chose qui traumatise toujours les gens. C'est vrai quand même. Parce que quand tous nous étions dans le monde, frère, on a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais quand je suis venu à Christ, qu'est-ce que j'ai fait avec? Mais j'ai confessé au Seigneur. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, j'avais mal agi parce que j'étais ignorant. Voilà ce que j'ai fait, effectivement, pardonne-moi. Quand Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné, messieurs. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et il ne s'en souvient même plus. Il l'a jeté dans la mer de l'oubli. C'est pourquoi? Pour que toi, tu puisses l'adorer librement. Que tu sois, parce que mon frère, ma soeur, aussi longtemps que quelque chose te tient quelque part, tu ne sais pas adorer Dieu parce que il y a toujours quelque chose qui te condamne quelque part. Tu as fait. Mais quand la chose a été ôtée, mais tu vas danser. Tu vas glorifier Dieu. Il dit, j'étais coupable, mais Dieu m'a justifié. J'avais péché, mais Dieu m'a pardonné. C'est pourquoi le sang du Seigneur Dieu est plus efficace que tout autre sang. Parce que c'est ça qui a fait que ton péché soit ôté, monsieur. Alors, comment je peux m'asseoir avec un frère? Il me dit, madame, alors, sœur, ouvre les livres, dis-moi, effectivement. Alors, il y a un problème. Il y a un problème de compréhension des saintes écritures. Je reste certain. C'est 100% vrai. J'ai toujours eu à pouvoir dire, je voudrais qu'un frère, prédicateur, parce que vrai qu'on dit, il fait ci, il garde les gens, c'est pas un problème. Un frère prédicateur qui connaît les saintes écritures, qui vient avec la Bible. Les saintes écritures. Il me prouve que dans les saintes écritures, aujourd'hui, on peut demander à une sœur de commencer sa vie depuis qu'elle était dans le monde, effectivement, vivant ce qu'elle pouvait vivre, effectivement, qu'avant que je puisse l'épouser, qu'elle puisse me raconter toutes ces choses-là. Et après cela, je peux maintenant dire que maintenant, je peux maintenant t'épouser. Il faudrait qu'on me montre ça dans les saintes écritures. Je l'ai dit devant tout le monde, hein, vous êtes là, sinon. Parce que souvent, oh, le frère, il est contre. Dieu. Si vous croyez quand même que la Bible est notre absolue, vous croyez ou pas? Amen. Je n'ai pas trouvé un autre livre qui soit notre absolue dans un temps comme celui-ci, depuis les débuts jusqu'à ces jours. Il n'y a que la Bible qui est la parole de Dieu. Pourquoi vous avez peur de dire Amen?
Est-ce qu'il y a-t-il un autre livre? Non. Qui soit un absolu pour vous? Non. Est-ce que la Bible est votre absolu? Amen. Mon frère, si tu ne le crois pas, moi je le crois. Et comme moi je le crois, je suis pasteur ici. L'assemblée qui croit que Dieu m'a placé ici croira que l'absolu c'est la Bible. Alors si toi tu trouves que ça te gêne, ta place n'est pas ici. Depuis toujours, j'ai toujours eu à pouvoir dire la Bible, pas la brochure. Mais la Bible. Toujours notre absolu. Elle le sera même quand nous allons partir. Il n'y a aucun livre qui peut remplacer la Bible. Si la parole de Dieu. Donc nous croyons que le Seigneur est venu pour libérer les captifs. Parce que s'il ne m'a pas libéré, comment je peux les servir? Si il doit me suivre jusqu'aujourd'hui, comment je peux les servir? J'ai sauvé le temps, puis je m'arrête. Alors, nous remarquons qu'effectivement, que Dieu avait un projet. Bonheur pour le peuple d'Israël. C'est pourquoi le peuple ne prêtait pas souvent attention quand Moïse parlait. S'ils pouvaient prêter attention, leur foi serait fortifiée. Parce que c'était de la bouche de Moïse que Dieu a parlé. Au peuple qui murmurait, qui criait, qui faisait saisir. Parce que vous savez, quand la peur est là, parfois on devient sourd. Oui. L'épreuve est tellement si forte, on devient sourd, on ne veut même pas écouter. Il dit, ah non, c'est pas possible. Non. Oui, mais Dieu avait dit, mais Dieu avait dit, mais écoute d'abord. Parce que moi, je dois aller voir à l'heure, vous en avez parlé, tu dois faire, mais non, mais écoute d'abord. Ce que Dieu a réellement dit et ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Comprends? Alors tu auras la foi. Qu'est-ce qu'il disait? Il s'est dit, mais pourquoi tout ce qui, pourquoi ce murmure, effectivement? Il dit, mais ne craignez point ces Égyptiens. Mais pourtant, il venait avec les chars, l'armée, effectivement. Il dit, mais tu es un seul homme avec un bâton. Il dit, mais ne craignez point ces Égyptiens. Car il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Il dit, vous n'allez plus les voir plus jamais. C'est pour ça que Dieu a suscité, afin que Pharaon s'élève, afin que le peuple soit tellement convaincu que quand Dieu commence, il achève, monsieur. Il a dit, je viens endurcir son cœur. Frère, quand même l'épreuve est tellement si élevée envers toi, ne crains rien. Reste confiant, parce que Dieu est en train de travailler pour que tous les démons. Parce qu'une délivrance totale, effectivement, il faut que des démons même qui étaient insérés dans la subconscience, dans la conscience, il faut que les démons sortent. Tu dois être libre d'adorer Dieu dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton âme, dans ton subconscient, dans ta mémoire. Parce que Dieu doit prendre possession de toi dans tous les domaines de ta vie. Amen. Il dit, je suis un Dieu jaloux. J'aime occuper tout chez toi. Tu m'aimeras de tout ton cœur. De toute ta pensée. Amen. Tout ton être, effectivement. C'est pourquoi tu es toujours ma femme. Hein? Mon mari, effectivement. Dieu, quand Dieu t'aime, il va fermer le robinet. Nous, on n'est pas appelé à pouvoir aimer nos femmes. Ah, ma femme. Si je n'ai pas ma femme, je meurs. Si je n'ai pas mon mari, je meurs. Si je n'ai pas mon fils, je meurs. Non, ne faites pas cela. Amen. Dieu, tu m'as donné, mais toi, tu restes le premier. Si, frère et soeur, Dieu est très jaloux. Amen. Il n'y a aucun homme qui peut prendre la place de Dieu dans ton cœur. Il n'y a aucune femme qui peut prendre la place de Dieu dans ton cœur. D'abord Dieu. Amen. Les restants, on trouve une place pour les caser. Amen. Alléluia. Toute la place est pour Dieu. On va maintenant trouver un endroit pour caser. Où est-ce que je vais caser ma femme? Où je vais caser mon mari? Mais d'abord Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mon frère et ma soeur, c'est ça ce que Dieu attend de toi. Il veut tout nettoyer pour que lui prenne la place. C'est pourquoi Moïse a dit ne craignez point. Parce que l'Éternel combat pour toi. Alléluia. L'eau s'est ouverte. Le peuple est passé. Pharaon dit, je veux passer. Dieu dit, il n'y a pas de problème.
J'ai ouvert passe alors. Lorsque, Israël passait, l'eau de la pluie qui tombait te reconnaît. Quand Israël passait, le miracle. Alléluia. Le miracle, Et le peuple passait. Le miracle s'est levé. Parce que la nature reconnaît qui tu es. Il s'étale pour les princes et les princesses qui passent le chemin royal. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors Pharaon pensait qu'il était qui? Qu'il était roi. Roi de qui? Roi de qui? La mère, elle dit, on ne te connaît pas. Yeah. Alléluia. Englouti, frère. Mon frère. Alléluia. Alléluia. Mon frère et ma soeur, tu as de la valeur. Lève-nous, frère. Mon sauveur béni, mon maître. Tu es merveilleux, mon maître béni. Tu es glorieux, mon sauveur. Où ce que tu es pour nous, mon bien-aimé Père Saint. Nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi. Nous sommes heureux d'avoir un Père comme toi. Nous sommes heureux d'avoir un Consolateur comme toi. Tu es le Dieu qui nous guérit toutes nos maladies, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Tu es le Dieu qui pourvoit pour tous nos besoins, mon sauveur. Mon âme te reconnaissante encore aujourd'hui, Père. Pour la grandeur de ton nom, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Pour l'amour que tu témoignes encore à chacun de nos pères. Oh, ton peuple puissant. Ton peuple fort, mon bien-aimé Père, tu dis ça. Parce que toi, le Dieu très haut, tu es fort. C'est pourquoi, madame, quand il regarde, Seigneur, il voulait me dire, mais la malédiction ne veut pas sortir, Père. Il dit, mais je vois Israël. Oh, l'enchantement ne pourra rien contre lui. Parce que son Dieu est avec lui. Alléluia. Gloire à mon Seigneur Jésus. Quel est cet homme de Jésus? Dieu merveilleux, maître béni. Oh, sois donc glorifié encore aujourd'hui, Père. Sois béni, sois exalté. Mon âme te reconnaissante, mon bien-aimé, Père Saint, pour la grandeur de ton nom, mon sauveur. Oh, amène-nous encore plus haut, Père. Nous sommes heureux de pouvoir te servir. Nous sommes heureux de chanter les chants de Sion pour ta gloire. Nous sommes de la joie d'avoir un Père comme toi. Bénis ton peuple, mon Seigneur. Voici les temps, mon bien-aimé Seigneur. Voici les temps, mon bien-aimé Père du Saint. Nos cœurs s'élèvent vers toi, mon bien-aimé, oh Dieu. Oh, pour te servir encore davantage, mon roi. Nos cœurs s'élèvent vers toi, criant, maître béni. Voici les temps, oh Dieu. Travaille encore nos cœurs et nos pensées, nos esprits, Seigneur. Pour ce que nous sommes, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Pour être réellement aussi à toi. Être attaché à toi, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Louange et honneur à toi. Oh Dieu, la puissance te revient, mon bien-aimé Seigneur. L'honneur te revient, mon maître béni Père. Tu es vraiment l'alpha et l'oméga. Tu es vraiment le Dieu de ta parole, mon bien-aimé Seigneur. Oh, nous sommes heureux, Père, d'être un peuple qui t'appartient. Aide-nous à rester aussi pur et saint, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Louange et honneur à toi. Vivant, tu nous as vraiment aimé, Seigneur. Merci, Sauveur. Merci, ô Maître béni. Gloire à toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Merci. Père, on a besoin de toi. J'ai besoin de toi aussi. Ton soutien, ton soutien. Merci, ô Dieu. Je te remercie, mon Père. Je te loue de tout mon cœur. Aie pitié, mon Seigneur. À ta grande bénédiction. Merci. Je te prie de tout mon cœur. D'agir encore, Père. Merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Oui, Père. Louange et honneur à toi. Gloire et honneur à toi. Oh Dieu très haut, donateur de tout don merveilleux, excellent. Là, engendré vraiment par ta parole puissante, mon Seigneur. Nous te disons merci. Oui, Père. Merci. Merci. Oh notre Dieu. Tu es glorieux, Père. Vivant, tu nous as aimés, mon Seigneur. Oui, Père. Gloire qui soit à toi. Merci. Merci. Oh, Dieu du ciel.
Merci. Oui, Père, merci. Merci. Qu'il soit exalté, mon Seigneur. Nous voulons te dire merci. J'ai besoin de toi. Que tout ce qui n'est pas bon soit ôté. Merci. 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 Gloire à toi. Amen. Merci. 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 Gloire te sera mon Père pour ce que tu es Père. Merci, ô Maître béni. Oh, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit publié sur toute la terre, mon Sauveur. Gloire à toi. Merveilleux est ton nom, mon béni, mes personnes. Gloire et honneur à toi. Merci. Merci. Je te remercie, Père. Je t'aime, mon roi. Et je chanterai les chants de Sion pour ta gloire, mon Seigneur. Béni soit ton saint nom. Merci, Père. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci. Oh, je te suis reconnaissant. Merci. Thank you.
Le nom du Seigneur soit glorifié. Je voudrais demander aux enfants de revenir ici. Alors, je crois que Mary doit être ici, à mon avis, n'est-ce pas? Mary, est-ce que tu es là? Parce que si tu es là, je voudrais que tu te lèves aussi. Les enfants, venez vite ici, devant. Alors, Anna, je pense que tu dois voir ton état donné, n'est-ce pas? Alors, je voudrais que vous écoutiez la traduction de ce cantique que ces enfants ont chanté. Je voudrais vraiment que vous le chantiez de tout votre cœur. Alors, tu vas bien, clairement, aussi les lire et ils vont chanter ce cantique que vous ont chanté tout à l'heure. Je voudrais que vous écoutiez d'abord cette traduction, ce que cela veut dire. Que Dieu vous bénisse. L'été, l'hiver, l'automne, le printemps, montagnes, ciel bleu et les mers, arc-en-ciel, ensoleillement et les arbres, Jésus créateur de tous. Non, Dios, vas-y, essaye de pouvoir parler. Le son ne sort pas bien. Je veux que vous arrangez bien le son qu'on entende très bien. Merci beaucoup. Été, hiver, automne, printemps, montagne, ciel bleu et les mers, arc-en-ciel, ensoleillement et les arbres, Jésus créateur de tous. Matin, midi et la nuit, les voix, les rythmes et les mélodies, les gens, les lieux et toutes choses, Jésus créateur de tous. Partout où je vais, je te vois là, dans la beauté de la nature, tu brilles tout autour. Car tu es tout et tout est en toi. Précieux Jésus, une merveilleuse merveille tu es. Tu es incroyable, cher Seigneur. Tu es tellement incroyable. Ton amour est incroyable. Ta grâce est incroyable. Ta gloire est incroyable. Ton pouvoir est incroyable. Tu as fait les cieux et la terre par les mots de ta bouche. Tu es incroyable. Personne n'est comme toi. Personne n'aime comme toi. Personne ne fait comme toi. Tu es si magnifique, cher Seigneur. Tu es tellement incroyable, cher Seigneur. Thank you.
Dieu soit réellement béni. On prend juste le temps de prier pour ces deux requêtes et alors nous irons pour rentrer. Il y a dans le ciel et sur la terre aucun autre nom qui ait été donné. Seul le nom de Jésus pour être sauvé, sauvé, sauvé pour toujours. Notre sœur Angèle demande que nous puissions réellement prier pour sa maman qui est hospitalisée en ce moment. Ses jambes et ses bras sont gonflés. Elle n'a pas d'appétit et elle sait que notre Dieu est capable de la restaurer totalement grâce à vos prières. Bonjour frères et sœurs, priez pour notre voyage. C'est notre sœur Rebecca et notre frère Vincenzo. Nous allons prier pour eux. Ils vont réellement aussi voyager, que le Seigneur soit avec eux durant leur voyage. Pensons à la maman de notre sœur Angèle. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste et notre Dieu, encore une fois Seigneur, nous venons auprès de toi, toi qui es notre Père. Toi qui prends soin de nous, Seigneur, tu domines sous toutes choses, mon Sauveur. Nous l'avons entendu encore aujourd'hui, mon Sauveur. Nous, tu nous demandes simplement de nous accrocher à toi. Tu nous demandes de pouvoir réellement avoir la foi en toi, notre Dieu. Tu veux que notre foi soit réellement confiée, basée sur ta parole. Père, accorde-nous ta grâce, mon Dieu, parce que tu nous as donné le pouvoir sur toutes choses, mon Sauveur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prenons autorité et nous chassons tout esprit mauvais, tout ce démon qui perturbe réellement la santé de la maman de sœur Angèle. Mon Sauveur, tu vois qu'elle a pas d'appétit, mon Sauveur. Ses jambes, Seigneur mon Dieu, sont gonflées. Oh Dieu, notre Père Céleste, tu es le grand médecin, Seigneur. Nous réclamons sa santé, Seigneur. Que Satan lâche prise, mon Sauveur. Que là où il a voulu prendre le contrôle, mon Dieu, souviens-toi de ta servante, mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, que ces démons soient chassés. Que la maman de Seigneur soit délivrée, Père. Qu'elle soit libérée, Seigneur. Que tout esprit mauvais, quelle que soit son origine, mon Sauveur, oh, qu'il soit réellement chassé, mon Sauveur. Que le Tout-Puissant, le Père Créateur de toutes choses, mon Sauveur, prenne le contrôle de son corps, qu'elle soit restaurée, mon Sauveur, qu'elle soit en parfaite santé, qu'elle sorte de l'hôpital, mon Sauveur. Prends le contrôle, ô Père, domine et manifeste réellement ta puissance éternelle. Glorifie ton nom, Seigneur, parce que tu as dit que par tes meurtrissures, nous avons déjà été guéris, Seigneur. Guéris-la, Seigneur, mon Père, réjouis le cœur de notre sœur, parce que la joie de notre sœur, c'est aussi notre joie. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Tout-Puissant. Nous voulons aussi en profiter, Père, pour prier pour notre sœur Rebecca, ainsi que son mari, notre frère Vincenzo, mon Sauveur. Sois avec eux alors que tu connais la destination où ils vont, Seigneur, qu'ils soient gardés et protégés par toi. Veille sur eux, Seigneur, sur leurs enfants. Père, bénis leur départ, Seigneur, comme nous l'avons lu dans les psaumes, Seigneur. Tu es celui qui garde le départ ainsi que l'arrivée. Seigneur, bénis leur séjour, mon Père, et ramène-les aussi, Seigneur, parmi nous, pour la seule gloire de ton nom, ô Dieu vivant. À toi la gloire, la puissance, l'autorité à jamais. Merci d'avoir ramené aussi notre sœur Gloria, pour qui nous avons prié, Seigneur. Tu es le Dieu de ta parole éternelle. Tu l'as gardée à l'aller, tu as béni son séjour et tu l'as ramené aussi parmi nous. Que ton nom soit réellement glorifié à jamais. Sois béni, sois glorifié à jamais. Mes Pères, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié et remercié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni. Je remercie le Seigneur de m'avoir accordé une année de plus ce dimanche. Pour cela, on aimerait bien chanter un cantique pour la gloire de Dieu. C'est Lindsay. Viens, Lindsay. Bon anniversaire à toi. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le Prince de paix, le Père de l'éternité.
l'éternité et le roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine en Jésus incarné. Tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout puissant. Laissez venir à moi les enfants et ne les en empêchez pas. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, l'INSEE est à toi, mon sauveur. Cet enfant, tu l'as connu, Seigneur Jésus. Et Seigneur, ses parents l'ont laissé réellement s'approcher de toi, Seigneur, parce que tout celui qui s'approche de toi, Seigneur, est toujours béni, notre Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu lui as ajouté une année de plus dans sa vie, Seigneur. Nous voulons réellement prier pour elle afin que tout le reste de sa vie jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, que cet enfant soit béni de toi. Garde-la, protège-la, Seigneur. Ô Père, qu'elle puisse grandir en stature, en sagesse. Seigneur, mon Dieu, dans ta présence, mon Sauveur, dans le respect de ta parole. Tu vois l'amour, Seigneur, mon Dieu, ses parents, ses grands-parents ont pour toi, Seigneur Jésus. Et qu'elle puisse réellement grandir de cet amour, Seigneur, parce que tu es amour, notre Dieu. Veille sur elle, accorde-lui la bonne santé. Seigneur, toujours la joie de pouvoir te chanter et te glorifier, notre Père. Sois avec elle, Père, protège-la. Garde-la, Seigneur, au mot de tout mal. Qu'elle soit toujours en bonne santé pour la gloire de ton nom. À toi la gloire, la puissance. Bénis ses études, Père. Bénis sa famille, Père. Bénis ses parents. Pourvois, Seigneur, à tous les moyens, Père, pour qu'elle ne manque de rien. Souviens-toi aussi de sa sœur Naomi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié, Père, et remercié. Amen. Que le Seigneur soit béni. La famille de notre frère Robert, la famille Robert Otieno, remercie tous ceux qui l'ont. Ils ont assisté
durant le déménagement de Bruxelles à Denderleeuw et remercie chacun pour son dévouement, notamment Frère Marcel et toute sa famille, la sœur Rosalie, le frère héritier, Frère Graël, Frère Isaac, Frère Timothée, Frère Daniel, Lendi et le frère Christian et toute sa famille aussi. Que Dieu vous bénisse tous. Un grand merci. C'est le frère Robert et notre sœur Dorine. Recevez les salutations de notre frère Louis Ezekou. C'est le frère de notre frère Samuel qui est aux États-Unis, qui salue toute l'assemblée. J'aimerais rendre grâce au Seigneur pour la présence de ma mère et de ma sœur parmi nous. Que Dieu vous bénisse tous. C'est notre sœur Dorine. La maman de notre sœur Dorine est ici. Tu peux te lever, maman. Et sa sœur, elle est où? La sœur de notre sœur Dorine est où? Ah, elle est là, juste à côté. C'est la petite sœur de notre sœur Dorine. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je voudrais juste demander le prénom de maman et aussi de la petite sœur. My name is Esther. C'est maman Esther. C'est ça. Léona. Léona. Léona is my granddaughter. Léona, c'est la petite fille de... And my name is Caroline, sister to Doreen. Caroline. Yeah. C'est ça. Que Dieu soit béni. Nous allons prier pour la maman et remercier le Seigneur pour la maman de notre sœur Doreen. C'est une joie pour notre sœur de voir réellement sa maman et aussi sa sœur dans cet endroit. Tendre Père Céleste et notre Dieu, dans ta maison, il n'y a jamais de hasard, Seigneur. C'est toi qui conduis les pas de ceux que toi tu connais, Seigneur. Merci pour la maman de notre sœur Dorine, qui vient de si loin, d'Ouganda, mon sauveur. Elle est venue, Seigneur, aujourd'hui et elle a voulu être parmi nous, Seigneur, mon Dieu, en ce jour. Bénis aussi, Seigneur, Caroline, mon sauveur, sa sœur, mon sauveur, béni. Oh, bénis aussi, Seigneur, sa nièce, mon Père Céleste, Léona. Sois avec eux, Seigneur Jésus. Tu connais leurs projets, tu connais leurs désirs, mon sauveur. Laisse que par-dessus tout, Seigneur, la soif de pouvoir te posséder, la soif de pouvoir s'abandonner à toi, la soif de pouvoir te servir, soit dans leur cœur, mon sauveur. Merci d'avoir conduit leurs pas et tu as voulu qu'aujourd'hui, qu'ils écoutent et entendent cette parole. Sois avec eux, Éternel. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bénis-les pour voir leurs besoins, Seigneur. Protège-les en tout temps, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que cette parole demeure dans leur cœur, mon Père. Travaille aussi leur vie et qu'ils puissent aussi s'accrocher à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci d'avoir réjoui le cœur de notre Sœur Dorine. C'est aussi notre joie éternelle. À toi la gloire, la puissance à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Sœur Dorine, come please. God bless you. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. And when I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus, give me Jesus. Give me Jesus. You can.
God, give me Jesus. And when I come to end, oh, when I come to end, and when I come to end, just give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. God bless you. Amen, amen. Bonjour frères et sœurs, je vous demande de prier pour moi car cela fait un bon moment que je tousse. Que Dieu vous bénisse, c'est notre frère Jean Bosco. Nous allons penser à notre frère pour que le Seigneur puisse réellement le rétablir. Et nous allons aussi remercier le Seigneur, c'est notre frère Ghislain qui nous envoie ce mot. Malheureusement, je n'ai plus la date exacte à laquelle nous avions prié pour ce monsieur. Donc, le chef de mon... Tu as écrit le chef de mon chef de travail, c'est ça? Donc, le chef de mon chef de travail, Paul Malamathenios, il s'appelle, pour qui nous avions prié parce qu'il était mourant. Il est sorti de l'hôpital. Amen. Non, vous n'avez pas bien entendu. Je recommence. Le chef de mon chef de travail, il s'appelle Paul Malamathenios, pour qui nous avions prié parce qu'il était mourant. Vous avez entendu? Il est sorti de l'hôpital et il est totalement rétabli. Et il dit, il revient au travail courant de la semaine, Dieu voulant. Il m'a dit de vous remercier pour les prières que vous aviez faites pour lui. Que Dieu vous bénisse. C'est notre frère Ghislain. Que le Seigneur soit réellement béni. Eh bien, nous allons nous saisir de cette bénédiction pour prier pour notre frère Jean Bosco. Que le Seigneur le restaure aussi. Nous avons besoin qu'il soit en bonne santé parce que réellement, le Seigneur agit aussi au travers de lui. Prions pour notre frère Jean Bosco et remercions le Seigneur pour la guérison qu'il a accordée aux collègues de notre frère Ghislain. Prions pour notre frère Jean Bosco. Tendre Père Céleste et notre Dieu, ô Père, combien nous sommes heureux, Seigneur, lorsque nous entendons de tels témoignages, mon Sauveur. Tu ne nous as jamais abandonnés, Seigneur Jésus. Tu ne nous as jamais délaissés, Seigneur. Tu nous as fait la promesse, ô Seigneur. Tu as dit que tu seras avec nous et même en nous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, nous avons la preuve et la certitude que toi, tu es au milieu de nous, mon Sauveur. Parce que cet homme était mourant, Seigneur. Nous avons imploré ta grâce, Seigneur. Tu as entendu, tu as exaucé. Ô notre Père et notre Dieu, tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Seigneur, quelle est la maladie qui peut résister devant toi? Seigneur, au nom de Jésus, que ce démon de la toux quitte mon frère Jean Bosco, Seigneur, qu'il soit totalement rétabli, qu'il soit guéri, Seigneur. Oh Père, que cette toux puisse vraiment le quitter, Seigneur, que son corps soit en parfaite santé. Restaure-le, Seigneur, qu'il soit en bonne santé pour te servir dans ta maison. Seigneur, nous avons besoin de lui, Seigneur. S'il est en bonne santé, c'est aussi notre joie. Seigneur, accorde la grâce, mon Sauveur, que tout en lui soit réellement restauré, Seigneur, que tous les microbes, Seigneur, mon Dieu, soient détruits, mon Sauveur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qu'il soit en parfaite santé pour la seule gloire de ton nom, Père. Merci d'avoir restauré cet homme. Merci d'avoir ramené parmi les vivants. Seigneur, accorde la grâce au Père, que au-delà de tout, Seigneur, non pas seulement la guérison de son corps, mais aussi la guérison de son âme. Nous réclamons son salut, Seigneur. Père, accorde-lui ta grâce au Père. Si, Seigneur, mon Dieu, tu as permis qu'il soit guéri, c'est aussi un témoignage, mon Sauveur, pour qu'il sache que le Dieu de Ghislain, c'est un Dieu vivant, Seigneur. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui entend et qui exauce tes prières, Seigneur. Accorde la grâce, mon Dieu. Merci pour ce témoignage, ô Père. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour ta bonté et ta miséricorde, Père. Merci pour tes bienfaits. À toi la gloire, à toi la puissance. Seigneur, s'il est quelqu'un, ce jour éternel, maintenant, qui est venu aussi et qui s'attend à toi, tu es celui qui entend et qui exauce ses prières. Seigneur, tu es vivant, tu es parmi nous, Seigneur.
Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous ne prions pas un Dieu qui est en voyage. Mais nous prions le Dieu vivant, Seigneur. Tu es présent, ô Éternel. Entends, Seigneur, et exauce tes prières. Seigneur, guéris, Seigneur, ceux qui sont malades, ô Père. Restaure, Seigneur, ouvre les portes, Seigneur. Vois les inquiétudes, Seigneur, et les pleurs de tes enfants. Seigneur, même dans la couche, mon Sauveur, dans leur chambre cachée, mon Sauveur, toi, tu es présent. Tu entends et tu vois. Seigneur, réponds, ô Père. Ouvre les portes, Seigneur, que ceux qui ont besoin de travail, que tu pourvoies, Seigneur Jésus, que ceux qui ont besoin de séjour. Tu es celui qui change les lois, Seigneur. Fais grâce, mon Sauveur. Ouvre les écluses des cieux, que ton peuple soit béni, Seigneur. Oh, vois réellement les familles. Oh, Seigneur, étends ta main. Exauce, touche, Père. Ouvre les portes au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Je veux faire passer deux personnes qui vont chanter et alors nous prierons. Je vais demander à ma sœur Angèle et son groupe de venir chanter. Maintenant, nous prierons et alors après, Maman Esther, tu chanteras pendant que nous sortirons. Sœur Angèle, Rebecca, Déborah, Dieu vous bénisse. J'avais d'abord un petit témoignage avant de chanter. C'est par rapport à une expérience que j'ai vécue avec le frère Léonard dimanche dernier. Parce que j'avais entendu le frère Jonas qui a expérimenté aussi quelque chose, mais moi aussi c'était la même chose. Donc depuis quelques années, j'avais entendu beaucoup de préjugés sur le frère Léonard. Il y avait beaucoup de personnes qui le critiquaient et moi je ne le connaissais pas et je me contentais un petit peu de ce que j'avais entendu. Donc du coup, j'étais un petit peu refroidie, un petit peu par le frère, sans même le connaître en fait. J'avais un préjugé sur lui. Donc voilà. J'ai demandé moi-même au Seigneur avant de venir ici, qui était le frère Léonard, que lui-même me réponde. Quelques jours après, j'ai eu un songe qui était clair. J'avais déjà témoigné, j'avais des lourdes chaînes qui me retenaient et il y avait un vent puissant aussi qui m'empêchait d'avancer, d'arriver jusqu'à lui parce qu'il devait venir m'imposer les mains et prier pour moi. Donc j'ai vu aussi, donc dimanche dernier, j'étais en face du frère et j'ai senti une onction juste au moment où il a ouvert la bouche, mais une onction assez particulière en fait. Parce que cette onction-là, je la retrouve que quand j'atteins un certain niveau de prière, une certaine dimension, et là, je sens l'onction du Saint-Esprit autour de moi. Et à peine même que j'étais devant lui, il a ouvert la bouche, et j'ai senti cette même onction et cette même puissance. Donc j'ai ouvert les yeux comme ça, j'ai regardé, je dis en tout cas, il doit vraiment être loin et être vraiment puissamment utilisé. Parce que cette dimension de sensation que je sens, c'est quand j'atteins un certain niveau de la prière et juste devant lui, en ouvrant la bouche, j'ai senti ça. J'ai dit, en tout cas, cet homme-là, il a Dieu. Donc, ouais. C'est juste pour dire que les personnes qui connaissent pas frère Léonard, bon, évitez vraiment de juger parce que comme on a dit tout à l'heure, ne touchez pas à mes oins. Moi, je vais vous dire, je suis pas une idolâtre. Je sais juste que dans la Bible, il est marqué de considérer les personnes qui gardent nos âmes, en fait. Donc, ayez vraiment du respect pour l'homme de Dieu. Si vous voulez pas que Dieu puisse vous frapper, sincèrement. Amen, amen. Voilà. Je ne suis pas idolâtre, je le répète. Amen. Voilà. J'étais éloigné de ta parole. Tu m'as envoyé ton Saint-Esprit. J'étais éloigné dans la confusion. Tu m'as donné le message de l'eau. Pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Ah, tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, j'étais dans le monde aveuglé. Lumière du soir, je vivais dans l'ombre de la mort. Tu m'as montré le chemin. Pourrais-je te louer pour tout
as fait pour moi. Ah, tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, malgré tout le mal que j'avais fait, tu m'as montré ton amour, Seigneur. Il n'y a plus de doute dans mon cœur. Toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi meurt, oh, oh, oh. Loué pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi meurt, combat. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit vraiment béni. Je vais rappeler deux communiqués. Donc, je rappelle que le mercredi ici, mercredi 9 mai, le pasteur est invité à Krefeld pour apporter la parole. Donc, je vais demander à tous les frères qui veulent l'accompagner pour assister donc à cette réunion. Nous avons pris le soin de louer un car que nous allons utiliser pour aller à Krefeld. Je pense que si je me trompe, je pense qu'on est déjà à une trentaine de personnes, c'est un quart de 50 personnes. Donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous, mais sachez qu'il y a une petite participation donc pour réellement prendre part à bord du car. N'attendez pas jusqu'à la dernière minute, inscrivez-vous auprès des diacres. Mon frère Zaché, je vois qu'il a déjà sa liste dans la main. Donc si vous êtes intéressé, donnez-lui votre nom et donc il vous inscrira. Deuxième chose, c'est pour les vacances de Dinan. Nous allons mettre avec les diacres la liste sur le valve. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. Je pense qu'on doit pouvoir aussi connaître le nombre de personnes qui vont y participer à temps de manière à ce qu'on puisse s'organiser. Que le Seigneur nous bénisse richement. Une très bonne semaine à tous. Je rappelle donc que le 9, c'est la veille d'un jour férié. Si vous avez peur, pour ceux qui pensent qu'ils vont aller, le jeudi, c'est un jour férié. Donc, nous avons le temps d'aller écouter la parole de Dieu de l'autre côté. Que Dieu nous bénisse richement. Levons-nous, nous allons prier, remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Mon frère Rosario, j'aimerais bien que tu viennes prier pour congédier l'Assemblée. Et si telle est la volonté du Seigneur, retrouvons-nous le mardi. Je demande à maman Esther et à Caroline et à Léona de ne pas partir vite. Prenons le temps de communier ensemble, de partager quelque chose pour la gloire de Dieu. Un micro pour faire vos arrêts. Alléluia. Amen. Ti ringraziamo, Padre Celeste, alla fine di questa riunione, Signore. Ancora grazie, Signore, per la Tua presenza in mezzo a noi, Signore. Ancora in quest'oggi, Signore, Ti sei manifestato ancora potentemente, Signore. Attraverso la Tua parola, Signore Gesù, gloria e onore a Te, Signore. Siamo veramente un popolo privilegiato, Signore Gesù. La Tua grazia è sopra ciascuno di noi, Signore. La Tua mano potente, Signore, è quella che ci guida. La Tua voce è quella che ci consola, Signore, che ci dà forza. Oh, Signore, gloria e onore a Te, Signore. E ancora oggi possiamo dire: a chi ce ne andremo?
Signore, tu hai parole di vita eterna, Signore Gesù. La nostra sorte è caduta in luoghi dilettevoli, Signore, e sappiamo che una bella eredità ci è pur toccata, l'eredità, Signore, della vita eterna, Signore. Ti ringraziamo del continuo, ti glorifichiamo, ti innalziamo, perché tu solo sei degno di lode e di ringraziamento. Ancora grazie della tua presenza, Signore Gesù. Tu sei in mezzo a noi e la tua parola è quella che lo conferma, che quando due o tre sono radunati nel tuo nome, tu sei in mezzo a noi. E ti ringraziamo, Signore. Continua, Signore, ancora a dirigere i nostri passi in questi sentieri di giustizia e che ci conducono a te, Signore. È meraviglioso, Signore, poter servire l'unico vero Dio, l'Iddio vivente e vero, colui che ha creato i cieli e la terra ed ogni cosa che essa contiene, Signore, colui che ci hai creati alla tua stessa immagine, Signore. Tu sei colui che ci dai vita, Signore. Tu hai messo questo soffio vitale in ciascuno di noi, Signore Gesù. Ma un giorno, Signore, ti vedremo per come tu sei, Signore. Manifestati sempre di più ancora in noi, Signore Gesù, e ti ringraziamo per tutte le meraviglie che fai, Signore. Ancora il tuo popolo, Signore, ancora oggi ha testimoniato, Signore, di quello che tu sei, di quello che tu fai, Signore, per le guarigioni, Signore Gesù, che tu, Signore, accordi al tuo popolo, per come la tua potente mano opera, Signore, giorno dopo giorno. Signore, è vero, Signore, che tu non ci lasci e non ci abbandoni, poiché tu sei veramente un Dio geloso, Signore. Ci hai veramente pagati a caro prezzo, dando la tua vita per ciascuno di noi. Signore, ti ringraziamo, Padre. Siamo riconoscenti a te, che ogni cosa viene da te in ciascuno di noi, Signore. Grazie per tutto quello che fai. Grazie per il tuo servitore, nostro pastore, Signore. È una grazia, Signore, che noi possiamo godere, Signore, di questo tuo servitore, perché la tua pura parola viene predicata, Signore, e tu la certifichi, Signore, nei nostri cuori. Siamo certi e sicuri che è la tua parola, Signore Gesù. Oh, grazie, Padre, per questa grazia meravigliosa. Dai forza al tuo servitore, che tu lo possa fortificare, Signore, che tu gli possa dare la buona salute, Signore, che tu possa provvedere per ogni cosa, Signore, affinché lui possa star bene, Signore. Grazie, Padre, per quello che fai. Grazie ancora per mio fratello Cristian, Signore, che tu lo possa fortificare del continuo e guidarlo tu. Ancora grazie per mio fratello Jonas, per mio fratello Zaché, per mio fratello José. Oh, Signore, grazie, Padre. Non sappiamo come poterti ringraziare, Signore Gesù, per la grazia e la misericordia che tu usi nel tuo, verso il tuo popolo. Benedici ogni mio fratello che lavora in questo luogo, Signore Gesù, perché veramente è una grande benedizione che tu ci accordi, Signore, se lavoriamo per te nel tuo campo, Signore. Oh, Padre, benedici ancora ogni mio fratello, ogni mia sorella qui presente, Signore. Quelli assenti, benedicili, Signore, perché hanno ricevuto la stessa benedizione che tu hai dato a noi qui, Signore. Benedici, Signore, la corale. Oh, Signore, è una grazia che possiamo veramente avere una corale, Signore. Tu vedi i cantici, Signore, che sono stati saliti, Signore, dinanzi al tuo trono come un profumo di odor soave, Signore. Benedici, Signore Gesù, ogni preghiera che si è levata a te. Tu conosci i cuori dei tuoi figlioli, Signore Gesù, e che tu possa esaudire del continuo le preghiere che si sono elevate a te, Signore. Benedici le decime, benedici le offerte che il tuo popolo ha portato nella tua casa, Signore. Ed è vero che non deve mancare nulla, Signore, nella casa dell'Iddio vivente, è vero, Signore Gesù. E ancora in questo pomeriggio, Signore, ci mettiamo nelle palme delle tue mani, che tu possa guidarci, condurci, Signore, che tu possa spandere questo amore nei nostri cuori, Signore, affinché ci possiamo voler amare gli uni gli altri come tu hai amato noi, Signore Gesù. Benedici questa comunione fraterna, Signore, e per tutti coloro che devono partire, che si devono mettere in viaggio, Signore,
guardali, Signore, durante questa strada, Signore Gesù, che tu possa essere accanto a loro, di proteggerli, Signore Gesù. Veglia sul tuo popolo, Signore, poiché i tuoi occhi sono puntati del continuo sul tuo popolo. Tu vegli giorno e notte, Signore Gesù. Gloria e onore a te, Signore, come che possiamo confidare sempre di più in te, Signore. Oh, Signore, una grazia, Signore. I nostri cuori traboccano di gioia, Signore, pensando solo che tu sei un soccorso, che tu sei il Dio vivente e vero, e che noi abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi. A te l'onore, a te la gloria e il ringraziamento, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Le Seigneur nous bénisse richement. Nous allons écouter Maman Esther qui va chanter et alors nous sortirons pour la communion fraternelle. Ceux qui ont demandé les cantiques, je ne vous ai pas oublié. Si vous êtes là le mardi, vous chanterez. Et si vous ne voulez plus chanter, vous chanterez la prochaine fois pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Jésus ne change pas, alléluia, Jésus ne change pas, il est toujours le même, Jésus ne change pas, chante, alléluia, chante, alléluia, alléluia, chante, alléluia. Amen, amen. Jésus ne change pas. On vient de me signaler qu'il y a des nouvelles personnes dans la maison de Dieu. Nous allons juste les accueillir, s'il vous plaît. Ceux qui sont ici pour la première fois, levez-vous, s'il vous plaît. Nous allons juste vous dire bonjour dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. S'il vous plaît. Ceux qui sont là pour la première fois, que Dieu te bénisse. Nous avons une place. Il y a d'autres personnes qui sont déjà sorties, frère. Ça serait bien, ils sont pas bien loin. Oui, mon frère, si, juste votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Witonze Jean-Claude. Lui ? Witonze Jean-Claude. Witonze. Witonze Jean-Claude. Oui. Jean-Claude. Oui. Et Dieu te bénisse. Merci. On va juste voir si. Pardonne-moi, ma sœur, on t'a laissé partir sans te présenter. Juste votre prénom et nous allons prier pour vous. Déborah. 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 La liste de Déborah s'augmente. Que Dieu te bénisse richement, ma sœur Déborah. Le frère Jean-Claude et notre sœur Déborah. Nous allons prier pour eux, pour que le Seigneur les bénisse aussi. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier dans ta manière de faire les choses, ô Seigneur. Merci parce que tu connais ceux qui sont à toi. Merci parce que Jean-Claude est venu, invité certainement par un frère ou une sœur, Seigneur, de même que Déborah, Seigneur Jésus. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Ils sont venus et ils ont entendu parler de toi, Seigneur. Nous n'avons pas parlé d'un homme, Seigneur. Nous n'avons parlé que de notre Créateur, Seigneur. Et nous avons exprimé combien nous t'aimons, Seigneur. Combien nous voulons que tu prennes encore davantage le contrôle de nos vies, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Bénis Jean-Claude, Seigneur. Tu connais ses besoins, Seigneur. Tu connais ses inquiétudes, Seigneur. Tu connais ses difficultés, Père. Puisses-tu te souvenir de lui, le soutenir, Seigneur, le fortifier, Père. Que tu sois toujours avec lui, ô Seigneur. Bénis Déborah aussi, Seigneur, qui est venue pour la première fois dans cette maison, Seigneur. Ô Père, tu connais ceux qui sont à toi. Accorde-lui réellement, Seigneur, la foi. Accorde-lui réellement la force, Seigneur, de t'aimer, de te servir, Seigneur, de s'accrocher à toi. Qu'il soit béni dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions, Père. Amen. Ne partez pas vite, s'il vous plaît, après la réunion. Juste quand vous sortez, nous avons une salle derrière où nous allons partager quelque chose pour la gloire de Dieu. Mon frère Bruno, que le Seigneur te bénisse aussi. Amen. Alléluia, fumu Yesu, que nous chantons. Amen. Alléluia.
Hallelujah.